Bien, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle soirée de la Semaine de la Mémoire, donc qui a débuté hier à la mairie de Tours, dans cet dans cette amphithéâtre également de l'Université de Tours, l'Amphithéâtre Télème. Et puis, et puis ce soir, cet après-midi également, plusieurs conférences. Demain, vendredi, enfin, je vous invite vraiment à regarder le programme extrêmement riche. Puis, si vous ne pouvez pas assister à tout en direct, vous pouvez à nouveau euh, écouter les, les conférences qui seront disponibles sur le site de l'Observatoire B2V des Mémoires. Je salue euh, évidemment les personnes dans la salle, mais je salue également les, les internautes qui sont très nombreux, un nombre de connexions euh, quasi astronomiques. Donc, on, on se réjouit évidemment. Et, et on essaiera, après la conférence, de répondre aux questions, à la fois qui viendront de la salle et puis qui apparaîtront sur les écrans qui sont en face de moi. Donc, c'est vraiment un vrai plaisir. Donc, Semaine de la mémoire, organisée par l'Observatoire B2V des mémoires. C'est la quatrième édition après Caen, Bordeaux, Montpellier. Donc, nous sommes, nous sommes à Tours ce soir. Alors, la conférence de ce soir, elle est autour d'un homme et d'un livre. Et Je suis très heureux, hein, pas tu sais bien, bonsoir, Lionel. Est ça, bonsoir. On est, je suis très heureux d'être avec toi. On a, on nous avons tous beaucoup de chance parce que nous allons avoir euh, Lionel Nakache une heure et demie avec nous sur un sujet euh, un, un peu surprenant. Euh, donc, euh, c'est autour d'un livre en fait qui s'appelle le, le cinéma intérieur. Je ne vais pas dire que, que je l'ai dévoré parce qu'il est encore là. Donc, euh, ça veut dire que je l'ai pas vraiment complètement dévoré, mais, mais c'est quand même tout comme. Donc, euh, c'est un livre qui s'appelle Le Cinéma intérieur, enfin, c'est le titre de la conférence, Projection privée au cœur de la conscience. Alors, la conscience, je ne suis, suis pas surpris hein, que, que tu parles de la conscience, que tu écrives sur la conscience. Et je pensais que c'était un peu une métaphore, le, le cinéma. Puis en fait, non, c'est vraiment le cinéma. Alors, euh, c'est le, le Lionel Nakache qui est... Bon, Lionel Nakache, je le présente quand même formellement. Il est ancien élève de l'école normale supérieure de la rue D'Ulm. Il est neurologue à l'hôpital de la Salpêtrière, qui est un grand hôpital qu'on qu aime beaucoup. Tous les, tous les neuropsychologues ont des liens privilégiés avec la Salpêtrière. C'est un peu la grande maison. Chercheur en neurosciences à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Professeur de médecine à Sorbonne, à Sorbonne Université. Membre du Comité consultatif national d'éthique, je m'arrête là hein, pour les, les titres parce que le général soviétique. Donc, hein. voilà, voilà, non, je m'arrête, hein, je m'arrête. Mais bon, les autres facettes, euh, c'est l'écriture de livres euh, destinés au grand public, avec l'un euh, notamment qui a, qui a eu un très grand succès, le, le Nouvel inconscient avec une, une thèse euh, neuropsychopsychanalytique, une relecture de Freud. C'est un livre qui, a, qui a, bon, il y a eu des controverses, donc c'est formidable, parce que un livre, quand il n'y a pas de controverses, ça veut dire qu'on s'ennuie. Donc, euh, il y a eu Parlez-vous cerveau avec, avec Karine. Et puis, il euh, y, 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 y en a un que je n'ai pas lu, je, que j le titre m'a surpris. Les femmes savantes, peut-être. Oui, c'est alors c'est pas tout à fait les femmes savantes, c'est. Nous sommes tous des femmes savantes. Voilà. Tu as écrit, nous sommes tous des femmes savantes. je oui. Celui-là, faut que je lise parce que je l'ai raté. Je mais... peux revenir. Hein. <laughs> voilà. Voilà. Donc, euh, voyez déjà en voyant les livres, vous, vous, vous comprenez un petit peu mieux, euh, Yonel Nakache. Alors, je voulais dire un truc rigolo. J'espère que ça va pas te vexer. Euh, je, je, quand j'ai lu tout ça, puis euh, te, te connaissant, j'ai pensé au, à l'émission de France Inter, Les Petits Bateaux. C'est une émission que j'aime bien parce que Génial, je, je tombe dessus de temps en temps. Et toi, tu pourrais être à la fois le chercheur qui répond, mais tu pourrais être aussi le gamin. Pose les questions. Oh bah je prends ça pour <laughs> un compliment, ouais, voilà. parce que c'est des sacrées voilà. questions. Les Et alors pourquoi j'ai pensé à ça C'est parce que au début du livre, alors qui est un livre en ouais. fait, vous allez voir que c'est un peu le cinéma. Hein, c'est pas, c'est pas seulement le cerveau, les neurosciences. Et tu te poses des questions qui sont drôles. Tu, la première question, puis ça te taraude pendant 3-4 pages, <laughs> c'est euh, pourquoi dans les films de Cowboy euh, la, la roue de la diligence tourne à l'envers Ouais, Absolument. C'est ouais. une question d'enfant. Alors, euh... ça, c'est une question extraordinaire. Et, et alors, et, et tu vas nous donner la réponse peut-être pendant ta, pendant ta conférence. Donc, voilà, voilà Lionel Nakage, vous voyez, c'est un, un grand chercheur français qui, est, qui écrit des, des articles scientifiques dans, dans des revues top niveau internationales, qui fait des, des grandes recherches physiologiques qui permettent de comprendre le cerveau, qui permettent de comprendre des maladies du cerveau qui ne sont pas très bien comprises, hein, notamment les troubles de conscience. Euh, Très grave des, des personnes qui sont dans le coma. Enfin, travaillent sur des sujets très très sérieux et vraiment à un niveau exceptionnel. Et puis, euh, puis il a gardé ce, ce, ce petit côté de curiosité extraordinaire. Donc euh, donc on a beaucoup de chance. Voilà. Donc euh, je m'arrête là pour la pour la présentation. Tu as tu as la parole en gros une heure. Hein. On est on est plutôt plutôt libre. Et puis, euh, on reprend ensuite la parole tous les deux. Et puis surtout, on échange avec le, le public, avec, je suis sûr, plein de questions. Voilà, à toi. Merci, merci infiniment, Francis. Et, et bonjour donc à, à, à toutes et à tous. Hein. Je, suis, je suis ravi, moi aussi, d'être ici à Tours. Une des premières conférences présentielles aussi pour moi. Là, ça fait plaisir de revoir... Euh, pour De vrais des gens, et il y a des internautes hein, comme Francis le disait, mais le mix est peut-être pas mal euh, à garder. Et euh, après cette introduction très, très, euh, très flatteuse et très gentille, je dois dire que moi j'ai aussi beaucoup de plaisir à être là. Et Francis, on se connaît depuis très longtemps, hein, presque 20 ans qu'il était à mon jury de thèse de sciences, et, et même auparavant, et moi j'avais lu ses travaux, et donc je suis extrêmement content. Et on a gardé des liens amicaux forts réguliers, donc je suis très heureux et merci beaucoup de m'avoir invité et de tout le comité également de l'Observatoire b des mémoires, et cette semaine de la mémoire, donc je suis extrêmement content, et effectivement, comme, comme l'a dit Francis, je vais vous parler de la mémoire, alors moi je ne suis pas directement un expert de la mémoire, comme Francis l'est par exemple, mais évidemment, la mémoire, c'est un peu comme pour la conscience, dès qu'on travaille sur l'esprit humain, ben, on s'intéresse tous, de manière explicite ou pas, à la mémoire, donc je vais vous parler de la mémoire, mais ce que je vous propose, c'est plutôt d'emprunter un chemin un peu détourné, on va revenir à la mémoire, mais je vais faire un, une petite digression, et qui n'est pas motivée uniquement parce que c'est l'objet de ce livre, mais parce qu'il m'a semblé intéressant de partager avec vous l'idée suivante, c'est qu'en fait, tous nos contenus de la conscience, on pourrait dire c'est le message clé, tous nos contenus de la conscience partagent quelque chose avant tout, et c'est peut-être moi personnellement un des aspects qui m'a attiré dans cette discipline clinique et de recherche, c'est que les choses font sens pour nous. Euh, on, on, on pourrait dire qu'on est des bâtisseurs de signification subjective on, on est des interprètes permanents et, et même dans un sens très fort du terme, c'est à dire que lorsque vous percevez quelque chose ça commence pas comme une enquête où vous vous dites qu'est-ce que c'est vous percevez quelque chose auquel ou à laquelle cette chose une signification subjective est assortie immédiatement, une sorte de travail en coulisse de manière souvent non consciente et puis l'aventure ne s'arrête pas là on ne cesse de manipuler le sens des choses de manière volontaire, pas volontaire Alimenté par l'extérieur, ça redescend de nous vers l'extérieur, etc. Donc, c'est de ça dont je veux vous parler. Moi, j'aime bien appeler ça des fictions, interprétations, croyances, des fictions, non pas fictions pour dire qu'elles ne sont pas vraies, et je finirai ma, mon intervention là-dessus, mais simplement pour dire que fiction, il y a des fictions qui sont très bien contraintes par la ce qu'on veut appeler la réalité objective du monde, si on veut parler comme ça. Mais ce que j'entends par fiction, c'est qu'avant tout, euh, l'essence de ces objets mentaux, c'est euh, qu'ils font sens pour nous. C'est le sens que les choses ont pour nous à un moment donné. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Alors si on prend un cadre, on ouvre la focale de manière aussi large, aussi générale, évidemment que la mémoire va trouver euh, sa place. Et notamment, euh, vous savez que Francis, notamment, euh, est, euh, euh, joue un rôle fondamental et euh, très important au niveau mondial pour faire partie. Des grands chercheurs qui ont participé à ce qu'on appelle la dissociation des systèmes de mémoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une mémoire, mais plusieurs formes de mémoire qui interagissent. Et donc, parmi toutes nos mémoires, si on parle au pluriel, il y a une mémoire qui nous est chère, qui on appelle la mémoire épisodique, la mémoire consciente des épisodes de notre existence. Et évidemment, à partir du moment où, lorsque vous vous souvenez de quelque chose que vous avez vécu, ça devient un contenu mental conscient, que vous pouvez vous rapporter, je me souviens de ce que j'ai fait ce jour-là, etc., eh bien, ça va répondre aux propriétés dont je vais vous parler maintenant. Et donc c'est ça le chemin un petit peu de digression qui va nous emmener de quelque chose qui n'est pas la mémoire, mais pour ensuite se ramener vers la mémoire et questionner la mémoire à la lumière de ce que j'appelle ce cinéma intérieur. Alors si ça ne vous embête pas, je vais me lever pour, pour animer ça avec ce, parce qu'il y a un support visuel que j'espère faire interagir aussi avec vous. Il y a une dimension, ce euh, livret, non, non pas au spectacle du, du cinéma, mais en tout cas, l'aspect d'interaction visuelle peut être important, peut être riche. Et euh, et vous allez voir que, comme le disait Francis, euh, on peut utiliser des métaphores dans nos, dans nos disciplines, comme dans toutes les disciplines. Mais la métaphore du cinéma, c'est à la fois évidemment une métaphore, mais vous allez voir qu'on peut la prendre assez au sérieux. Et on pourrait même en discuter, je pense, à la fin. Euh, il me semble, c'est une des thèses aussi que je développe à la fin du livre, que l'art cinématographique, euh, en réalité, nous révèle des choses sur la manière de laquelle nous fonctionnons, et notamment sur cette dynamique de, de construction de sens. Alors. Je vais donc commencer cette aventure avec vous. J'espère que c'est un chemin un peu de travers. Hein. Donc euh, il faut vouloir suivre l'aventure pour, euh, pour revenir vers la mémoire. Et la dimension des contenus de conscience qui, au début, est la plus étudiée, celle sur laquelle nous connaissons le plus de choses, c'est évidemment non pas la mémoire, mais ça commence par la perception. Comment est-ce que nous percevons les choses Comment est-ce que nous percevons le monde Comment est-ce que d'ailleurs nous nous percevons nous-mêmes euh, Je vais pas évidemment parler de tout, mais vous emmener à travers une petite promenade pour voir comment en fait. Dans cette opération de perception qui est même simplement le simple fait d'ouvrir les yeux sur le monde, on est déjà dans un monde de fiction au sens que j'ai établi au, au précédent, d'accord Et que souvent c'est vrai qu'on aime bien parler de de la fiction pour des choses complexes, le sens de la vie, euh, les gens que nous aimons, euh, des thèmes abstraits ou des thèmes religieux ou des thèmes existentiels. Mais euh, comme au cinéma, première métaphore. Je ne vais pas arrêter de filer des métaphores. Donc euh, voilà. Vous savez qu'au cinéma, on parle souvent de préquel. Le préquel, c'est quand il y a Superman. Eh bien, vous racontez la naissance de Superman. Eh bien, le préquel de nos fictions, des fictions complexes. Le préquel de nos fictions, c'est les fictions élémentaires qui opèrent en nous dès lors qu'on ouvre simplement les yeux sur le monde. Et là, dans ce que vous êtes en train de vivre avec moi et moi, avec vous, on est déjà dans un univers fictionnel. Et donc c'est par, par cette porte-là que j'aimerais vous, vous, vous emmener. Et on va commencer par établir en quoi, et ça peut être aussi pour ceux d'entre vous qui ne sont pas familiers avec ça, une découverte de la manière de laquelle les neurosciences et la psychologie, et les neurosciences cognitives de la, de la perception permettent de donner de la chair à cette vieille idée, parce que c'est une vieille idée philosophique, c'est une idée maintenant aussi très médiatique, qu'en réalité... Les choses que nous percevons ne sont pas directement les choses dans une, une, une approche presque kantienne, hein, entre le nous-mêmes et le phénomène. On a une perception indirecte du monde à travers un processus de construction. Et c'est cette couche de fiction qu'on va commencer par établir, par visiter, d'abord dans la perception, mais pour vous ramener vers la mémoire. Alors voilà, première question, et on rentre dans le cinéma. Alors on est en France, hein, Méliès, yes, le père du cinéma. Pas le seul, les Frères Lumière, etc. Mais c'est vrai que au, 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 la France a joué un rôle fondamental dans la naissance du cinéma, et pas seulement les noms les plus célèbres dont on vient de parler là. C'est un sujet en soi qui est assez fascinant. Pas que la France, évidemment, mais il s'est passé beaucoup de choses. Alors, première question, c'est et on va arriver directement à ce, que Francis, ce dont Francis parlait. C'est pas euh, spoiler le début de, de, du premier effet par lequel on va hein, on, on va tomber sur le cinéma. Mais moi vraiment, ce, que je vais, ce dont je vais vous parler maintenant, c'est ce qui m'a donné envie de faire cette aventure là dans, dans le cinéma intérieur, dans ce que j'appelle ce cinéma intérieur. C'est qu'on peut s'interroger sur euh, en quoi c'est magique le cinéma. Et si vous vous dites parce qu'on est tous prêts à dire, euh, vous savez, il y a un philosophe américain qui est mort il n'y a pas très longtemps, Stanley Cavell, qui a travaillé sur le cinéma d'ailleurs, et il faisait remarquer que de manière assez intéressante, le cinéma c'est un art très populaire. Alors que beaucoup d'arts ne sont pas nécessairement populaires. Euh, apprécier la musique classique, apprécier la peinture classique, ça va pas de soi. Le cinéma, c'est né et ça reste un art extrêmement populaire. Euh, donc tout le monde aime le cinéma, ou quasiment tout le monde, hein, pas tout le monde. Donc tout le monde est prêt à accorder au cinéma une dimension de magie. Alors souvent, quand on vous interroge, qu'est-ce que c'est la magie du cinéma Eh bien, la plupart du temps, on va, on va commencer à rentrer dans notre catalogue de, de films, ou de scènes même, ou de moments de cinéma, d'émotions. Euh, euh, toute une gamme de choses ineffables, euh, des choses qu'on a vécues, en sachant que c'est un film, c'est une histoire, etc. Mais c'est pas vers ça dont je, euh, vers, vers lequel je veux vous attirer, c'est vers quelque chose qui est une magie beaucoup plus banale, qui est une magie qui opère aussi bien dans des chefs dœuvre que dans des, des navets, en fait. C'est la chose suivante. C'est ça, pour moi, la magie du cinéma. Et on va commencer comme ça, et vous allez voir en quoi il y a un lien avec euh, ce que j'essaie de... De, de proposer dans, dans mon introduction. Alors là, on pourrait dire c'est un des premiers ancêtres de films, hein, c'est une des premières animations visuelles. Euh, et cette animation, pourquoi elle est fantastique Vous le savez tous et toutes. On l'a tous appris au collège, on l'a tous revu, ça va de soi. C'est que c'est devenu le fameux 24 images seconde. C'est que vous avez en bas à droite l'animation. Et que si vous faites attention un instant à cette animation, qui est élémentaire, hein, euh, regardez-la bien. On a vraiment l'impression, d'un point de vue mathématique, d'avoir affaire à une séquence continue. On a l'impression d'avoir une séquence continue. Je vous rappelle, un ensemble en mathématiques, un ensemble continu, c'est défini par le fait que vous pouvez jamais isoler deux éléments de cet ensemble, et vous pouvez toujours caser une infinité d'éléments entre deux. Par exemple, entre deux nombres réels, vous pouvez toujours en nicher une infinité. Alors qu'entre deux entiers, entre deux et trois, il y en a pas. Voilà. Donc les ensembles discrets, c'est une suite de choses discrètes, séparées les unes des autres. Il y a des solutions de continuité. Alors qu'un ensemble continue, en réalité, on ne peut pas mettre de frontières, il y a une sorte précisément de continuité. Et dans le domaine de la perception, eh bien, quand vous voyez le film d'en bas, vous avez l'impression de voir l'ensemble des positions, que va l'infinité de positions dans un espace euclidien que, que la jambe du cheval, les jambes du cheval vont, vont parcourir. Alors qu'en fait, ce qui se passe, et c'est pour ça que c'est une magie, c'est que ce qu'on vous a présenté dans un écran de cinéma, c'est une succession d'images fixes à une séquence particulière, à une fréquence. Alors à nouveau, le 24 images/seconde, c'est pas la seule fréquence, c'est pas la première qui est utilisée, c'est pas celle qui est toujours utilisée, mais prenons le 24 images/seconde. Eh bien, en fait, on va ici. Ce que j'ai représenté, c'est un des premières séquences de mubridge en hein, 1887. Vous avez une, une série d'images fixes. Je vous les ai toutes présentées. Et ce que vous voyez en bas, c'est simplement de faire un film, une animation à cette fréquence de ces images fixes. Donc, je répète, le principe du départ, c'est comment se passe-t-il, comment se, passe se fait-il que, lorsque on en entrée sur nos rétines, il y a une succession. D'image fixe, ce que nous nous percevons dans notre cinéma intérieur, dans notre perception subjective, consciente, que nous pouvons nous rapporter à nous-mêmes et, et, et en parler aux autres, on ne perçoit pas une, une succession stroboscopique, on perçoit un film continu, au sens mathématique. Une des, des inférences les plus directes qu'on peut faire, c'est qu'on a l'impression que ça veut dire qu'en réalité, avec cette entrée discrète, notre esprit-cerveau, si on veut l'appeler comme ça, il compose. Il monte comme une table de montage, il invente les images qu'on ne nous a pas montrées. C'est-à-dire qu'entre deux images fixes, eh bien, la trajectoire est reconstruite et en tout cas est perçue par l'individu. Et ça, c'est le point de départ, parce que dire ça, ça veut dire qu'entre des éléments fixes, entre vous prenez les deux images par exemple, eh bien, vous allez construire l'ensemble des images qu'on ne vous a pas montrées qui permettent de passer de l'un à l'autre. Et ça, si vous me suivez, on est déjà dans une sorte de fiction élémentaire, pas du tout consciente, qui opère à nous. En nous, sans aucune, ce qu'on appelle aucune agentivité, vous n'avez pas besoin. C'est vous n'êtes pas vous l'auteur conscient de ce qui se passe, mais vous avez un système cérébral qui est capable d'opérer cette construction. On pourrait dire une sans, un sens minimal du mouvement, une perception du mouvement. Et en réalité, il euh, y a des astuces pour se rendre compte qu'il se passe comme ça, que c'est ça ce qui se passe au cinéma. Alors, euh, je vais faire un petit détour, un peu technique, mais je vais aller rapidement parce que c'est voilà. Euh, vous avez tous vu. J'ai pas pris d'extrait, j'aurais pu. Hein, euh, vous avez tous vu dans des films. Des westerns, euh, la roue de la diligence qui tourne à l'envers, d'accord. Mais on peut le voir une roue d'une voiture, etc. Donc vous avez parfois vous dites ah qu'est-ce que alors l'explication, on pourrait dire physique de ce qui se passe pour le cinéma n'est pas très compliquée. Elle fait appel quand même à un principe intéressant. Le premier c'est qu'en fait si on vous présente par exemple trois images, les trois images suivantes. J'ai pris une roue simplifiée où il y a un seul rayon. Donc la première image, le rayon est vertical. Le deuxième, le rayon un peu penché vers la droite dans le sens horaire. Et le troisième. C'est à la même distance, donc vous avez la même trajectoire qui se poursuit. Et l'idée, c'est qu'en fait, quand on vous envoie trois images fixes qui font tac, 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 vous avez votre système cérébral de perception du mouvement qui va fonctionner par une sorte de principe de moindre distance et qui va construire une trajectoire qui est la trajectoire la plus minimale qui permet d'aller du premier au deuxième, au troisième. Et on perçoit la roue qui se tourne dans le sens horaire. Okay ça, ça va de soi. Si maintenant on vous envoie une roue, mais qui tourne à 24 tours par seconde, eh bien, 24 tours par seconde, ça veut dire qu'à chaque image, si c'est 24 images seconde, le rayon va être à la même position et vous aurez ce que vous avez déjà vu comme illusion au cinéma d'avoir une roue immobile. Et puis évidemment, si la roue tourne à plus de 12 tours par seconde et moins de 24, eh bien vous allez avoir ce truc paradoxal, c'est qu'entre deux images fixes, la roue aura fait plus d'un tour et donc elle va arriver en fait un, moins d'un tour, pardon, elle va arriver plus de la moitié mais moins d'un tour, donc elle va arriver en arrière, un effet un, un effet de récession. Donc, vous voyez, la première barre est verticale, la deuxième sera un petit peu décalée à gauche, donc en anti-horaire, et c'est là la situation dans laquelle vous voyez une roue qui tourne à l'envers. Okay donc, pour l'instant, il n'y a rien de, de particulièrement surprenant, mis à part quand même ce principe qu'on a évoqué au passage, qu'on a un principe de construction d'une trajectoire selon une sorte de principe minimal, de trajectoire minimale, pour inventer euh, et pour composer ce qui se passe entre des images fixes. Mais là où ça devient vertigineux, c'est que dès les années 60, j'ai pris cette publication, qui est une publication qui a joué un rôle important en 96, il y a pas très longtemps, plusieurs auteurs, mais je vous dis, on a un, un collègue hollandais, Schouten, qui avait vu ça dès les années 60, qui l'a publié. En fait, la vérité, c'est que si vous vous promenez dans la vie de tous les jours, parfois vous avez le même phénomène, mais pas au cinéma, en lumière naturelle. Vous pouvez voir une roue qui tourne à l'envers euh, sans que vous soyez dans un film. Et là, évidemment, ça devient totalement vertigineux parce que ça laisse ouvrir l'hypothèse. Selon laquelle, bah, au cinéma, c'est normal parce que c'est nous qui vous avons envoyé des images fixes et vous, vous, vous avez déjà votre système qui construit. Mais si, quand vous n'êtes pas au cinéma, vous pouvez avoir une roue qui tourne à l'envers, un peu comme dans Matrix, vous vous souvenez, là, quand il y a un chat qui fait une sorte de déjà vécu, c'est un, un symbole de la matrice, il y a quelque chose qui est manipulé. Mais si, dans la vie de tous les jours, vous voyez, des, vous voyez parfois des roues qui tournent à l'envers, ça laisse formuler l'hypothèse qui était formulée par ses collègues, Pearls et ses collègues, qu'en fait, peut-être que dans la vraie vie, dans la vraie perception, au cinéma, on fonctionne un peu comme au cinéma, c'est-à-dire qu'on échantillonne le monde de manière discrète, échantillonner, c'est-à-dire qu'on va capturer des images de manière discrète et qu'on va monter ces images comme si on les avait rentrées en, dans un film en réalité, et avec le même principe qu'on vient de décrire auparavant. Autrement dit, on voit apparaître cette hypothèse que peut-être qu'en réalité dans la perception, eh bien là aussi, on opère à une sorte de perception d'éléments de scène visuelle discrète et qu'on remonte. De la manière la plus, euh, la plus plausible, à la lumière du mécanisme psychologique et cérébral que j'ai décrit auparavant. Et à vrai dire, cet élément, on peut en donner déjà une description euh, beaucoup plus ancienne. Et ça, c'est un effet de, de, de psychologie qu'on connaît bien en psychologie gestaltiste, en psychologie des formes. Un chercheur qui s'appelait Max Wertheimer, qui en 1912, très jeune, et je crois qu'il avait 25 ans, quelque chose comme ça, pendant sa thèse, il a publié ce qui s'appelle l'effet Phi. Vous l'avez sous les yeux, c'est très utilisé maintenant, évidemment, dans les néons, partout, etc. C'est qu'en fait, comme souvent en science, les évidences euh, demandent du temps pour euh, réaliser qu'elles ont quelque chose d'assez surprenant. Ce que vous voyez ici, c'est un peu comme cette histoire de cinéma dont on parle. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez 12 ces, ces cercles, d'accord Et puis il y en a un qui va être allumé à un moment donné, qui s'éteint, puis un deuxième qui va s'allumer qui s'éteint, dans l'ordre que vous voyez. Et ce qui est assez fascinant, c'est que si vous regardez attentivement cette séquence, on n'a pas une impression de quelque chose qui s'allume, qui s'éteint, et du voisin qui s'allume, qui s'éteint, on a une impression de trajectoire. On a l'impression qu'il y a un mouvement, qu'il y a un cercle qui se déplace à chacune entre sous de ses positions. Je vous laisse contempler ça parce que ça demande vraiment de, une sorte d'introspection de votre per propre perception. Et si ça ne va pas de soi, parce qu'on est déjà presque dans le phénomène dont je vous parlais, c'est à dire que là vous avez quelque chose en vous qui va inventer les positions intermédiaires qui ne sont pas montrées. Comme si ce disque opère une sorte de voyage à travers des positions qu'on ne vous a pas montrées. Et à vrai dire, un philosophe américain qui s'appelle Nelson Goodman, qui est décédé maintenant, qui a joué un rôle très important en philosophie et en, et en relation entre la philosophie et aussi la psychologie cognitive, d'une certaine manière, il s'était posé, il était au courant de l'effet Phi, et il s'était posé une sorte de, de question très, très profonde qu'est-ce qui se passe si, entre une position et une autre, le disque change de couleur par exemple, il est au début vert et ensuite il devient rouge. Et sa question, c'est, puisqu'on va inventer les positions intermédiaires, est-ce que notre système va inventer le changement de couleur au milieu de la trajectoire ou il va être contraint d'attendre la fin Et en fait, deux collègues, Collers et Gruneau, ont fait cette manip en 1976 et ils ont montré de manière extrêmement brillante, et au début de ma thèse, j'ai revisité ces manipes aussi, c'est que quand vous avez un disque qui est d'abord vert et qui est rouge, ce que vous percevez, vous, c'est une trajectoire qui va du vert au rouge. Et ça change de couleur de manière graduelle au milieu. Donc on a vraiment, et là voilà pourquoi je vous parle de ça ce soir, parce que là aussi on est dans l'invention de significations subjectives minimales. Là je ne vous parle pas du sens de votre vie, je vous parle de comment ça bouge devant vous, un disque. Mais on va voir qu'en montant progressivement, on va aller depuis cette invention du mouvement jusqu'aux choses beaucoup plus élaborées, beaucoup plus complexes, qui nous touchent de manière beaucoup plus évidente. Mais je pense qu'il y a une forme de continuum dans cette invention du sens. Dans cette invention du sens sur lequel on peut euh, explorer les différentes facettes. Alors, Francis en parlait. Un des chemins de ses recherches, c'est évidemment ce qu'on appelle la neuropsychologie. La neuropsychologie, ce qu'on appelle la neuropsychologie, c'est l'étude de la psychologie chez des patients qui ont des lésions cérébrales. Euh, la découverte des euh, fonctions et des régions cérébrales du langage en étudiant les patients aphasiques. La découverte de la multiplicité des systèmes de mémoire en étudiant les patients amnésiques, etc., etc. Et évidemment, lorsque, comme clinicien, neurologue, neuropsychologue, psychiatre, euh, on s'intéresse à ces patients, c'est dans un intérêt mixte. C'est pour les aider, pour comprendre ce qui leur arrive, pour voir si on peut inventer des rééducations, des, 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 des manières de leur expliquer ce qui leur arrive et de les aider à aller mieux. Et c'est aussi, c'est un et, c'est pas un mais, euh, de comprendre comment fonctionne l'esprit et le cerveau sain à travers l'étude de ces dysfonctionnements. Eh bien, a euh, dans cette naissance du cinéma intérieur, on pourrait dire, cette publication, que j'invite pour ceux d'entre vous qui s'intéressent dans le détail de vous la procurer, elle est en libre accès, c'est dans une des plus grandes revues de neurologie qu'on appelle Brain. Eh bien, en réalité, euh, dill, qui est un, un, chercheur, un collègue et un chercheur allemand, a découvert une patiente, qui était une patiente, je vous raconte rapidement son une histoire, une femme d'une, j'ai plus le détail, mais d'une quarantaine d'années qui fait malheureusement ce qu un accident vasculaire qu'on appelle une thrombophlébite cérébrale, c'est-à-dire une phlébite, une veine qui se bouche, mais dans le cerveau, et donc qui va donner des lésions cérébrales. Elle fait une thrombophlébite. Et puis, euh, elle n'a heureusement pas d'aphasie, pas de, pas de paralysie, pas de... Mais elle a un truc bizarre. Euh, et ça va, il y aura une errance diagnostique. Elle va raconter ce qui lui arrive, euh, et elle va commencer par être considérée comme déprimée. Euh, elle va recevoir plusieurs traitements, antidépresseurs, choses comme ça, de, des années 80 et ça marche pas trop et au bout de je crois 6 8 mois elle finit par atterrir à la consultation de Dil et en fait qui lui est un expert de la neuropsychologie du mouvement notamment et qui découvre que cette patiente a un tableau qu'on appelle une akinétopsie. Akinétopsie ça veut dire que maintenant dans la vraie vie et pas seulement au cinéma elle ne voit pas le monde en mouvement mais elle le voit comme une succession de snapshots comme des images stroboscopiques. Autrement dit elle a une panne de ce système dont on a eu l'intuition par l'effet Phi de Wartheimer et par la roue qui tourne à l'envers au cinéma, mais aussi dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'effectivement, on commence à toucher du, bois, du doigt la sorte de salle de montage du cinéma intérieur qui va composer et qui va inventer le mouvement qui fera sens à nos yeux. Et cette patiente, pour vous dire, donc elle a eu une, une lésion de ces régions, là dans des régions qui avaient été découvertes chez le singe auparavant, qu'on appelle l'RMT, l'RV5, qui sont ces régions impliquées dans le mouvement. Et son trouble était que, par exemple, vous savez, euh, euh, si vous vous souvenez euh, avec vos enfants ou avec des enfants, ou quand même vous-même vous, vous étiez enfant, il y a ce jeu qu'on appelle 1-2-3 soleil. Moi, j'aime bien prendre cette image. 1-2-3 soleil, vous vous souvenez, vous êtes face à un mur, vous faites 1-2-3 soleil, puis vous retournez, vous voyez comment les gens sont. Eh bien, la vie de cette patiente, c'était une sorte d'un-2-3 soleil permanent. C'est-à-dire qu'elle raconte très bien dans l'article, son récit est tout à fait précis. Quand elle voit une voiture, elle voit une voiture arriver sur la route qui a une position. Et immédiatement, elle est à une autre position discrète, elle a avancé de plusieurs mètres, et encore une autre, mais elle ne voit pas le mouvement. Et il ne vous étonnera pas que lorsqu'ils l'ont testé sur l'effet Phi, dans l'effet Phi que je viens de vous montrer, ici, la patiente ne voit pas comme vous. Elle voit un disque qui s'allume, elle voit un autre disque qui s'allume, mais elle ne voit pas de mouvement entre les deux. Donc là, on arrive dans ce que j'appelle ce préquel du cinéma intérieur, la naissance du sens du mouvement ici. Et euh, évidemment, j'ai pris la notion du mouvement. Et ça pourrait nous emmener très loin parce que euh, c'est une question fondamentale, je pense, c'est est-ce euh, que les choses sont discrètes ou continues, au sens mathématique que je développais tout à l'heure Est-ce que notre, nos états mentaux conscients sont une succession d'états mentaux qu'on prend pour une continuité et on touche déjà presque la mémoire du doigt Ou est-ce qu'au contraire, euh, c'est une continuité euh, je ne vais pas répondre totalement à cette question ce soir, mais on pourra en rediscuter. Je préfère plutôt passer à d'autres couches du cinéma intérieur. On a vu l'invention du sens du mouvement d'une certaine manière, mais là où ça devient encore plus vertigineux de manière plus simple, c'est la chose suivante c'est que si on file la métaphore, comme Francis le disait, on peut tomber sur le technicolor du cinéma intérieur. C'est comme ça que j'aime bien l'appeler. Alors petit, petit rappel, petite leçon de choses pour ceux d'entre vous qui n'ont pas revu l'anatomie de l'œil depuis longtemps. Voilà un œil. Vous savez qu'au fond de l'œil, il y a la rétine. Qui va tapisser toute la partie postérieure hein, du globe oculaire là, à l'intérieur. Et la rétine, en gros, c'est l'organe sensoriel visuel, comme vous savez. C'est-à-dire que les rayons de lumière qui vont frapper les cellules de la rétine, il y aura une opération qu'on appelle une transduction, donc une conversion de l'énergie lumineuse euh, en signal biochimique et en activité nerveuse électrique qui va être transmise aux régions visuelles cérébrales. D'accord Et ce qu'on sait depuis en fait assez longtemps, c'est que vous voyez là. Voilà, c'est que vous voyez en fait que ça c'est la rétine, la lumière a, a arrive par là, et puis là c'est la rétine qui tapisse la partie euh, la, la, vraiment le, le fond, la partie postérieure de, de votre globulaire, pas l'intérieur. Et vous avez c'est ce que vous voyez ici, ce qu'on appelle les cellules euh, sensorielles, donc vraiment les formes de, de c'est forme l'extrémité du système nerveux, du système visuel, c'est ces photorécepteurs qui vont ces cellules qui vont transformer, euh, euh, d'ailleurs c'est une, une histoire biochimique magnifique, qui vont transformer la lumière. En activité, en signal en réalité. Et euh, la lumière traverse et puis elle arrive ici. Ok, donc ça très bien, vous avez plein de, de millions de photorécepteurs. De, de, donnée numéro 2, c'est que si on les représente, on découvre qu'il y a deux grands types de photorécepteurs. Hein. Vous voyez, c'est encore un autre film, si vous vous souvenez, en tout cas moi, euh, je me souviens, vous savez, il y avait un film de Fleischer, euh, Le voyage intérieur, avec des gens qui étaient transformés en personnages lilliputiens qui, qui, qui voyageaient dans le corps humain. Donc là, il faut vous imaginer, vous nagez dans la rétine. Eh bien, euh, vous avez ici. Euh, les fameux cônes, et puis vous avez les bâtonnets hein, qui portent bien leur nom, une sorte de Laurel et hardy comme ça. Et information importante, c'est que dans la partie centrale de votre rétine, celle que vous utilisez pour voir vraiment quand vous fixez du regard, ce qu'on appelle la fovea, la macula, il y a plein de cônes, il y en a plein. Et plus vous vous éloignez, il y a une sorte de gradient, moins il y en a. Il y en a encore hein, en périphérie, mais il y en a beaucoup moins. Alors que les bâtonnets, il y en a beaucoup aussi en périphérie. Et puis une chose que je ne vous ai pas dite, c'est qu'en fait les cônes. Ils sont sensibles à l'information de couleur, alors que les bâtonnets ne sont pas sensibles à l'information de couleur. Autrement dit, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si ma perception de la couleur du monde se limitait à la réception de ce que ma rétine code comme information colorée, alors je devrais voir en couleur au centre et en noir et blanc essentiellement sur les côtés, avec quelques informations de couleur parce qu'il y en a, mais qui ne pourraient coder que des grandes étendues, un ciel bleu et encore, oui, d'accord. Mais je ne devrais pas avoir une vision uniforme. Ce qu'il a supposé, que comme ce n'est pas comme ça qu'on voit, qu'on a une impression subjective d'uniformité de la richesse de la couleur du monde visuel, et eh bien que on a un phénomène de coloriage. On colorise ce qu'on voit mal en couleur sur les côtés. Et je vais vous en convaincre par une chose suivante. C'est un article très récent de collègues américains, Michael Cohen et ses collègues. Alors, ce qu'ils font, c'est assez chouette. Ils utilisent un, un casque de réalité virtuelle, comme vous voyez là. Et ça, ça permet deux choses ça permet de savoir ce qu'on vous envoie comme image, mais autre chose, c'est qu'on peut mesurer la partie de la scène que vous êtes en train de regarder. Vous voyez, le point que vous voyez bouger là, c'est là, où ouais. est... Alors, on va peut-être... Je vais couper le son. Voilà. Mais par contre, ça a arrêté le film, alors je vais le relancer. Voilà. Pardon. Voilà. Alors, attention. Voilà. Et donc, ce que vous allez voir maintenant... Donc, ce que vous voyez, c'est pas la personne qui voit ça. Si vous passez cette manip vous seriez en train de voir un endroit et votre système peut détecter où est-ce que vous êtes en train de regarder. Et le truc génial, c'est qu'on peut mettre à jour ce qu'on vous envoie dans la caméra. Et vous avez peut-être compris en voyant ce que je vous montre. Le principe de l'expérience, c'est que là où les gens voient au centre, ce qu'ils fixent des yeux, c'est en couleur. Mais progressivement, on va dégrader toute la partie périphérique et on va envoyer du noir et blanc. Vous voyez, au début, toute l'image est en couleur, mais le sujet commence à voir, il voit le milieu de la maison, et vous allez voir que sur les côtés, ça va devenir du noir et blanc. Vous le voyez sur l'image. Et ce qu'on voit, c'est qu'on voit. On demande aux gens qu'est-ce que vous voyez, quoi. Et le truc fou, c'est que dans la plupart de ces manipes, il y a plein de manipes. Eh bien là, par exemple, il y a même 17 degrés qui va être, qui vont être enlevés en, en noir et blanc au-delà de 17 degrés. Eh bien, une personne sur deux n'y voit que du feu. Perçoit la couleur qu'on ne lui a pas montrée. Donc c'est une manière là encore de rentrer dans cette invention de la couleur du monde sur laquelle il y a beaucoup de mécanismes. Je ne vais pas les évoquer ce soir, mais qui nous permettent de, de comprendre comment ça marche. Vous voyez, donc là, il n'y a plus que ça quand on vous montre en couleur. Et néanmoins, la plupart du temps, on a colorié. Notre cinéma intérieur l'a fait. Voilà. Donc le principe général pour l'aspect visuel, qu'on va encore un peu développer, c'est que si vous, vous faites la comparaison, l'écart entre ce qui arrive sur vos rétines et ce que vous, vous percevez subjectivement comme individu conscient, eh bien la différence, le delta entre les deux, vous donne à voir tout ce qui provient de votre cinéma intérieur, si on veut l'appeler comme ça. Tout ce qui vient de cette invention du sens. On l'a vu pour le mouvement. On l'a vu pour la couleur. À vrai dire, ce que je ne vous ai pas dit non plus, c'est que la précision, la résolution des images est très riche au centre de votre regard et très pauvre en périphérie, à tel point que ce qu'on devrait voir, ce serait un truc comme ça. En gros, ce qu'on devrait voir si on avait la rétine, on devrait voir de la couleur très précise et une résolution spatiale très bonne au milieu, et tout le reste devrait être non pas en noir et blanc, mais très appauvri en couleur et très flou, alors qu'en fait, on a une perception subjective qui est plutôt un truc comme ça. Et donc l'écart entre les deux images vous donne à voir l'invention de sens qui est par votre cinéma intérieur. Alors, je vais aller un peu plus loin, dans ces, parce qu'il y en a plein. Euh, et non, ce n'est pas simplement pour faire un catalogue, mais mon, mon, mon objectif en essayant de communiquer avec vous ces éléments-là, c'est de vous donner à voir, de vous faire sentir en 40 minutes, 50 minutes, de vous faire sentir comment on peut rendre extrêmement palpable cette idée philosophique que ce que je vois du monde, mais en fait ce que j'ai en... On va l'élargir bientôt. Ce n'est pas le monde directement, je, et je n'aurais pas en cause la réalité du monde, mais c'est une invention du monde à partir de ce que j'en perçois et de ce que j'en connais, de ce que j'imagine, de ce que je désire et de ce dont je me souviens. Alors, la nuit américaine, c'est évidemment un très beau film de Truffaut, mais c'est aussi la nuit américaine du cinéma intérieur. Hein. Vous savez, la, ciné, la, la, nuit, la nuit américaine, c'est le principe qui, vous, qui peut vous permettre, en jouant sur des contrastes lumineux, de filmer une scène de nuit alors que vous êtes en plein jour, etc. Alors, voilà un exemple. C'est une illusion visuelle que vous connaissez tous. Vous avez sans doute, ou en tout cas, beaucoup d'entre vous avaient dû la voir déjà. Cette illusion visuelle, ça s'appelle l'échiquier d'Adelson. Alors je vous assure qu'il n'y a pas d'astuce hein, pour ceux d'entre vous qui ne la connaissaient pas. Vous voyez qu'il y a deux carrés là, A et B. Probablement que perceptivement, comme euh, chacun d'entre vous et moi compris, et Francis aussi, c'est pas parce qu'on connaît ces illusions qu'on qu leur échappe. Hein. On a un collègue américain, zenon Pellichine, qui parle d'impénétrabilité cognitive. C'est-à-dire même si vous connaissez le principe qui sous-tend l'illusion, vous ne pouvez pas échapper à certaines de ces illusions. C'est le cas pour cet échiquier. Donc vous voyez ici la case où il y a le A, on aurait plutôt vraiment, on donnerait sa main droite à couper qu'en fait elle est plus foncée que la case B. Mais en fait, si je prends, alors là il n'y a pas d'astuce, vous pouvez le faire chez vous. J'ai juste déplacé et animé dans PowerPoint un petit bout du carré A, voilà. Donc ça c'est cette couleur. Mais en fait, quand vous faites la même chose pour le carré B, c'est la même couleur. Simplement, ce qui se passe ici, ce qu'on comprend de cette illusion, c'est que, comme évidemment, vous savez qu'il y a un cône devant vous là, et vous savez qu'il y a une source lumineuse, donc vous avez la notion que cette ombre, il y aura une ombre projetée, et que cette ombre projetée va rendre plus sombre qu'elle n'est une certaine couleur, donc vous avez cette sorte de soustraction de la couleur réelle par rapport à celle perçue qui est opérée et qui tombe ici dans cette forme d'illusion. C'est comme ça qu'on se le représente voilà pour la nuit américaine. donc je, je m'excuse pour l'aspect sériel. mais à nouveau, c'est une sorte de, comme un tableau impressionniste, c'est vous donner plusieurs touches, de vous convaincre cette invention du sens. il opère pas seulement lorsque vous pensez au sens de votre vie, mais qu'il opère même lorsque vous cherchez à comprendre la perception élémentaire d'un verre d'eau posé ou le matin quand vous allumez votre lumière, votre lampe, etc. alors, il y a des choses folles. choses folles comme ça. Je vais d'abord vous, vous donner l'expérience de ça avant de vous en donner un décryptage. Ce que je vais vous demander de faire, c'est de fixer. Euh, alors ça rend pas très bien. Ça rend pas très bien. Euh, dommage, vous le voyez. Alors vous pouvez le faire quand même. Vous voyez le, le, le disque au vert au milieu Alors je vous demande de vous concentrer à, à fond le plus possible sur ce disque clignotant sans bouger les yeux. D'accord Je vous laisse le voir. Si vous ne bougez pas les yeux, vous allez constater que certains des points jaunes périphériques vont se mettre à disparaître. Parfois, il y en a un qui va disparaître. Parfois, il y en a deux qui disparaissent. Et pour les plus chanceux, parfois trois disparaissent. Est-ce que quelqu'un a vu les trois disparaître, par exemple, déjà Oui. Ouais. Quelques personnes Oui. Deux. Plus. Voilà. Et c'est quand même fou parce qu'on n'a rien changé à l'écran. Alors, on a deux collègues. Scholl, notamment. Brian Scholl euh, qui a fait une proposition qui est sans doute la plus euh, pertinente. C'est que je vous ai montré tout à l'heure commencer la rétine. On est un peu loin de la mémoire, mais on va y arriver. C'est comme une sorte d'expédition. Et je vois l'heure, on va y arriver. <laughs> euh, la rétine, c'est ça. Donc de manière totalement contre-intuitive, hein, quand, quand, quand étudiant en médecine, on apprend la rétine, ou même lycéen, ou collégiens, on commence parce qu'il y a de plus en plus de neurosciences et, euh, qui sont euh, enseignées de manière beaucoup plus approfondie que lorsque nous, on était au collège, eh bien, vous découvrez avec stupéfaction que les cellules qui vont transformer la lumière en activité nerveuse, ce n'est pas celles qui touchent la première, qui sont frappées par les rayons lumineux, mais elles sont tout au fond de, votre, de, de ce qui tapisse en fait, euh, la partie postérieure de l'œil. Il y a plein de câblages au-dessus. quoi. Donc ça veut dire que normalement, si vous perceviez du monde ce que votre rétine perçoit vraiment, vous devriez voir un monde avec un aspect de réticulé au-dessus, vous devriez voir le monde à travers un réseau de vaisseaux, un réseau de, de fibres qui passent, un vrai bordel, etc. Et donc l'hypothèse, c'est qu'en fait, quand vous ne bougez pas les yeux... D'accord. En réalité, la lumière arrive. Si la lumière bouge, c'est que ça vient de l'extérieur. Mais si ça ne bouge pas du tout, le plus probable c'est que ça vient de votre œil et non pas de la lumière. Donc quand vous ne bougez pas les yeux, votre système visuel va prendre l'immobilité comme un signal qui provient de l'œil et non pas de l'extérieur et va le supprimer. Donc une sorte de montage, on coupe au montage, ce qui vient euh, non pas euh, de l'extérieur mais du monde avec des erreurs, d'où cette illusion, mais ce qui expliquerait pourquoi effectivement on ne perçoit pas le monde en couleur, et puis euh, beaucoup plus pauvre en périphérie, et en plus réticulé partout, c'est qu'on a un mécanisme d'effacement subtil de tout ce qui n'est pas pertinent, qui vient de vous et qui vient pas du monde que vous percevez. Alors on peut aller un peu plus loin. Je vais accélérer un peu. Euh, c'est que voilà, encore une que j'affectionne particulièrement. Il y a un truc dingue, c'est qu'on n'arrête pas de faire des saccades. Hein, vous savez que... Même là, vous, immobile, ben, c'est aussi pour ça que parfois, quand, le, quand les, les disques euh, réapparaissaient, c'est parce que vous avez fait un petit mouvement, une petite saccade, une micro-saccade. Donc on fait tout le temps des mouvements. Et une des très grandes découvertes, c'est que si vous réalisez ce qui se passe dans votre rétine quand vous faites une saccade, eh bien, il y a un chamboulement de tout le champ visuel. Vous voyez, imaginez que vous, vous, je bouge les yeux et vous-même qui êtes immobile, pour le coup, vous allez chavirer complètement sur ma rétine. Alors c'est bien fait, là, sans être finaliste, c'est qu'en fait... Mes collègues ont découvert dans les années 70-80, qu'il y a un phénomène qu'on appelle maintenant la suppression saccadique. C'est que quand vous faites une saccade, et bien en gros, dans les 200 millième de seconde qui vont suivre le début de la saccade jusqu'au point d'arrivée, bien tout ce chamboulement va être coupé de votre film subjectif, si on veut l'appeler comme ça. Euh, et c'est pour ça, vous pourrez faire l'expérience chez vous, que si vous vous mettez face à un miroir pour surveiller vos saccades, vous voyez le point de départ, vous voyez le point d'arrivée, mais vous ne voyez pas la trajectoire. Alors que si vous avez un voisin à côté de vous qui vous regarde faire le mouvement, lui, il le percevra et vice-versa. Donc vous pouvez vraiment toucher du doigt cette suppression saccadique et on va y revenir dans un instant. Donc voilà, toutes ces mécanismes de composition qui commencent à donner progressivement, je pense, chair à cette idée. Vous avez ici un cerveau de primate, non humain, mais vous gonflez le lobe frontal et un peu pariétal et c'est notre cerveau. Eh bien en fait, ça c'est le cortex occipital, c'est par là que viennent les régions visuelles, les informations visuelles prédominantes, elles rentrent par ici. Eh bien on considère que notre cinéma intérieur, si on veut le qualifier comme ça, c'est la combinaison de deux modes de circulation de l'information dans votre cerveau. Un mode qui vient de la, du monde extérieur et qui rentre en vous, on appelle ça du bottom up, et un, et un mode qui vient de vous et qui descend vers les régions les plus primaires. C'est-à-dire selon ce à quoi vous allez faire attention, selon ce que vous vous attendez à voir, etc., etc. Vous allez composer ce film intérieur. Donc une fois de plus, on est déjà dans un, quelque chose qui se distingue du relativisme parce qu'en réalité, c'est pas que vous, tout vient de chez vous. On va en parler dans un instant, mais c'est cette sorte de danse complexe entre ce qui monte du monde en vous et ce qui descend de vous vers les régions les plus primaires de votre cerveau qui perçoivent le monde. Et là, on parle pour l'instant de la perception. Voilà. Alors, on va faire un grand bond. C'est un pas de géant pour l'humanité. Le grand bond, c'est qu'en fait, pour l'instant, vous pouvez vous dire, bon, on est quand même à la semaine de la mémoire. Là, il nous parle de la perception depuis 20 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, en physique, par exemple, un des grands défis, et vous pouvez relire la physique comme ça, c'est que la physique, on peut la voir comme l'unification de phénomènes physiques. On décrit des phénomènes qui n'ont rien à voir, a priori entre eux, la gravitation, l'électricité, le magnétisme, le nucléaire, etc. Et puis progressivement, le génie de la physique, ça va être de comprendre qu'il y a des liens entre tout ça et d'arriver à une sorte d'unification, l'électromagnétisme de Maxwell, etc. La gravitation, ensuite les théories relativistes, quantiques, etc. Et il y a encore, chez nos collègues physiciens, l'ambition d'arriver à tout unifier comme ça. Alors, on n'est pas là en neurosciences cognitives, mais quand même, il y a un peu de ce phénomène-là, c'est qu'en réalité, euh, on voit qu'il y a des phénomènes qui partagent beaucoup entre eux. Et une des grandes découvertes de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est que lorsque nous imaginons le monde, donc maintenant on n'a plus les yeux ouverts, en réalité, et ça, on pourrait passer une semaine dessus, ce qu'on ne va pas faire, en réalité, je vous donne le résultat. On utilise les mêmes chemins mentaux et cérébraux assez largement que lorsqu'on perçoit le monde. Autrement dit, la perception et l'imagination sont pas juste des malentendus où on parle dans les deux cas d'images. Euh, elles ont quelque chose de profondément commun. Imaginer, c'est une forme de perception. Euh, certains ont dit voilà la perception c'est une hallucination réussie, etc. On peut beaucoup développer cette idée-là. Alors, je vous raconte une, une expérience magnifique qui a fondé un peu cette histoire. Et qui est une expérience qui a été beaucoup discutée, beaucoup débattue, mais qui a beaucoup inspiré la littérature. Elle est magnifique, il faudra la refaire dans une version euh, euh, de spectacle, je pense, ça serait assez intéressant. C'est une chercheuse américaine qui s'appelle Shiva Sperky, en 1910, assez jeune. Elle a fait cette manip là sur la côte je ne sais plus dans quelle université. Elle prenait des gens, des volontaires euh, comme vous et moi, vous êtes dans une sorte de, de salle, il y a un écran devant vous, et puis la salle n'est pas très éclairée. Et puis elle va dire. Elle va demander au sujet d'imaginer un objet, par exemple d'imaginer une banane. Vous voyez là, hop, il y a un écran. Alors c'est très mal fait, hein, mais bon, imaginez une banane. Euh, et puis bon, c'est compliqué, mais vous pouvez lire l'article principe », Il y a eu des centaines de réplications, de discussions, etc. Et quand les gens, certains d'entre eux pouvaient percevoir, en fait, elle leur demandait de décrire ce qu'ils voyaient. Mais à l'insu des gens, de l'autre côté de l'écran, il y avait un projecteur. Et en fait, avec ce projecteur. Elle projetait donc de, depuis l'arrière de l'écran, cet écran un peu, un peu translucide comme ça. Elle projetait en fait des images extrêmement pâles, pas très intenses, mais précisément de l'objet qu'on vous demandait d'imaginer. Et sa découverte, c'est que dans un certain nombre de situations, les sujets qui passaient cette manip prenaient l'objet perçu pour l'objet imaginé, c'est-à-dire que l'image qui était projetée par le projecteur ils la reconnaissaient comme étant le fruit de leur imagination qui était projetée sur l'écran. Et là, on voit déjà une sorte de proximité psychologique. Dans, euh, ce sont, je vous invite à lire, parce que c'est des papiers de 1910, donc ce n'est pas le même mode d'écriture qu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de place faite au témoignage des, des individus. Alors ces, ces expériences elles-mêmes ont été assez débattues, critiquées. On passe... Presque un siècle, hein, avec beaucoup de travaux de collègues extrêmement éminents. Et on arrive à. Donc voilà, une citation d'un sujet, c'était I'm imagining it all, it's all imagination. Je ne peux pas croire que vous m'ayez envoyé une banane, c'est celle que j'imaginais moi en ce moment. là voilà. Alors, on saute un peu de temps, et en fait, avec le développement de l'imagerie cérébrale fonctionnelle, vous avez par exemple ce travail de Denis Le et ses collègues, qui en fait demande à des individus. Donc, je vous, on vous montre une image sur un écran, d'accord, quelque chose et on enregistre votre fameux cerveau visuel, à l'arrière du cerveau. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ce n'est pas un scoop. Eh bien, lorsque vous percevez une image, vous activez votre cortex visuel primaire, okay. d'une manière assez précise qu'on peut détailler. Mais le point intéressant, c'était un des premiers articles qui le montrait, c'est que si on demande au même sujet d'imaginer le même objet alors qu'il n'est plus là, ils ont pu montrer qu'en fait, votre cortex visuel primaire s'active également. Autrement dit, ça rebondit sur l'image que je vous donnais auparavant. C'est qu'il semble bien que lorsqu'on imagine une image, d'une certaine manière, on utilise le même réseau cérébral que celui de la perception. Imaginer, c'est pas faire quelque chose de totalement différent de la perception. Ça veut dire, dans cette histoire de, de mélange entre du bottom-up et du top-down, l'imagination semble quelque chose qui est dominé par du top-down, alors que dans la perception, il y a un, un, un équilibre un peu plus respecté entre les deux. Et si vous allez plus loin, vous voyez ici, par exemple, c'est le signal en IRM de, de voxels, de volume élémentaire de votre région visuelle du cortex visuel primaire, vous voyez que ces régions s'activent lorsque vous percevez le stimulus est on sur l'écran, mais lorsqu'il est off, ben ça revient à la ligne de base, et lorsque vous demandez au sujet d'imaginer le stimulus qui n'est plus présenté à l'écran, eh bien vous réactivez cette même région. Donc tout ça pour vous dire ces expériences choisies qu'on commence déjà à unifier. On est parti de la perception pendant longtemps sur l'invention du sens dans la perception, et on voit qu'en fait il se branche déjà avec l'imagination, qu'en réalité euh, vous avez déjà deux partenaires de votre vie mentale consciente qui semblent avoir entretenu des relations beaucoup plus euh, étroites qu'on ne pouvait l'imaginer je saute sur le fait que par exemple en philosophie si vous prenez les philosophes et vous les partitionnez selon euh, est-ce que vous pensez que l'imagination et la perception c'est la même chose c'est très proche ou c'est très différent radicalement, essentiellement différent eh bien vous pouvez faire une partition à travers depuis, euh, depuis Platon et Aristote jusqu'à Sartre et après vous pouvez arriver à vraiment voir le camp de, de chacun et là, on, a, on peut dire que c'est une discipline dans laquelle la psychologie cognitive, rattrapée par l'imagerie, la neuroimagerie, a permis d'apporter des atouts extrêmement forts pour dire oui, en fait, imaginer et percevoir, c'est très proche. Et d'ailleurs, en général, les récits imaginaires des gens d'une époque vous parlent beaucoup de ce qu'ils percevaient à cette époque, euh, et non pas de quelque chose d'autre. Alors, on peut aller un peu plus loin, et j'ai presque fini. Euh, on peut utiliser cette notion-là tellement précisément qu'on peut commencer euh, à utiliser des algorithmes plus complexes. Pour arriver à même à deviner mieux que le hasard, ça ne veut pas dire deviner parfaitement, mais faire mieux que le hasard, pour deviner ce que vous étiez en train d'imaginer quand on vous a demandé d'imaginer quelque chose. Je vais sauter ça. Si vous avez des questions, vous revenez vers moi, parce que l'heure tourne. Troisième point, on a unifié un petit peu la perception et l'imagination. On pourrait dire d'une certaine manière qu'une certaine forme d'imagination radicale dont vous n'êtes pas l'agent volontaire, c'est ce qui se passe lorsque des patients ou des individus ont des hallucinations. Il y a des, on a des hallucinations qui peuvent être normales dans les périodes d'endormissement, etc. Et puis il y a des hallucinations qu'on voit dans d'autres contextes pathologiques, des maladies psychiatriques ou neurologiques. Et vous avez un ensemble de travaux, dont celui-ci, qui ont permis là aussi de dire ah, c'est intéressant parce que lorsque quelqu'un hallucine un visage, eh bien le réseau cérébral de la perception des visages s'active. Lorsque quelqu'un hallucine un, une maison. Ou un, un, un objet visuel pour lequel on commence à connaître même basiquement l'espace cérébral de, le, du codage de cet objet mental. On voit que là encore, l'hallucination et la perception partagent beaucoup. Donc vous voyez qu'on commence de manière hypothétique, mais déjà à rapprocher ces trois grandes modalités que sont la perception, l'imagination, l'hallucination. Évidemment, on peut faire qu'un pas de plus pour aller vers le rêve et que beaucoup de travaux, notamment ce travail dans Science de l'équipe de Kamitani, mais beaucoup montrent, là aussi, quand vous vous interrogez des rêveurs en, en, en enregistrant leur activité cérébrale avec différentes techniques, et que vous essayez d'arriver dans la phénoménologie du rêve, de quoi a rêvé l'individu lorsqu'il a rêvé, vous, vous pouvez commencer à voir si vous arrivez à décoder certains des contenus d'images visuelles du rêve à partir de ce que vous savez du fonctionnement de ces régions dans la perception de ces mêmes objets. Donc je me répète un petit peu, mais en réalité, on arrive à la chose suivante. C'est qu'en fait, euh, les motifs d'activation cérébrale qui sont enregistrés lorsqu'on rêve sont très proches de ceux qui sont activés lorsqu'on perçoit les éléments que nous sommes en train de rêver. Donc on arrive à une sorte d'unification proposée, en tout cas, entre l'imagination, la perception, l'hallucination, le rêve. Donc vous voyez qu'on se rapproche, on est tout bouillant de la mémoire, là en fait, qui est peut-être le dernier partenaire de ce soir et pour y arriver. Et en fait, la mémoire non plus n'échappe pas à ça. Et alors normalement, il y a une vidéo qui s'active. 私は何も恐ろしい地獄を見た王族、美女、資料 <t'>、そしてソマウリ四つの口が物語る四つの地獄の声を聞かされた Je ne sais pas si certains d'entre vous les plus cinéphiles ont reconnu l'extrait de ce film. Oui, en fait, c'est le film « Rashomon » de Kurosawa. Alors, en dehors du fait que je vous invite à le voir, il est magnifique. Pourquoi j'ai choisi cet extrait, en fait, qui est le début du film, « Porte de Rasho »,« Rashomon » C'est qu'en fait, il y a un effet en psychologie qu'on appelle l'effet « Rashomon » désormais, parce que le thème du film, en gros, c'est un film magnifique où vous avez la même scène qui va être décrite par quatre individus différents. Et évidemment, avec une, une trame narrative qui va vous faire qu'à chaque récit de cette même scène vécue, vous aurez accès à des choses totalement différentes et à des pans de la réalité différentes. Et évidemment, euh, c'est une magnifique illustration du fait que dans la vie de tous les jours aussi, là, je ne sais pas combien on est, mais comme vous commencez, moi je le fais quand vous marchez dans la rue, vous contemplez les gens. Euh, en ayant l'impression, en faisant attention, sans leur faire peur, hein. mais de vous dire, en fait, il y a tous ces cinémas intérieurs qui tournent, hein. chacun avec ses préoccupations, ses souvenirs, sa perception, ses connaissances. C'est un peu ça ce qui se passe. Et donc l'effet Rashomon, c'est ça, c'est que quand on vit quelque chose, on le vit, ce quelque chose, mais on le vit à sa façon. Euh, et qu'en réalité, on peut facilement euh, euh, tomber sur ces, ces effets du cinéma intérieur, donc de l'invention du souvenir, cette fois-ci, non pas de la perception, et dont on peut faire le constat dans beaucoup de situations différentes. Donc vous voyez, en réalité... Ce que je propose là, c'est qu'on peut rapprocher, non pas confondre, mais rapprocher dans cette, cette métaphore du cinéma intérieur ces contenus de la conscience aussi différents que sont la perception, l'imagination, le rêve, l'hallucination et la mémoire. Et la mémoire. Et euh, j'aimerais continuer euh, vers un résultat qui est très important pour la mémoire. Je pense qu'on a encore le temps. Euh, c'est un autre, un aspect que je développe beaucoup dans ce livre, dans le cinéma intérieur, c'est qu'une fois qu'on pose les jalons de ça, il y a quelque chose que j'aime bien appeler la grande illusion, hein, Renoir, etc. C'est qu'une des illusions extraordinaires, c'est que lorsqu'on perçoit le monde avec toute cette invention en nous du monde, euh, ça s'arrête pas là. C'est qu'on a l'impression euh, d'avoir tout vu. On pense, euh, on pourrait imaginer que ce soit différent, que quand je vous vois, ben je sais que je vous vois, mais sur le côté là où je vois pas, euh, ben que ça reste quelque chose, ben, je ne sais pas trop. Et puis je vais enquêter, ah, ah c'est là. Non, la manière de laquelle on perçoit le monde, c'est qu'on a une impression, une intime conviction d'avoir tout vu. Ce qui fait que la neuromagie, les tours de magie, c'est exceptionnel parce qu'on est saisi par le fait qu'on n'a pas vu ce qu'il y avait à voir, et c'est un élément extrêmement important aussi dans cette élaboration du sens subjectif. Alors je vous montre un exemple. Alors je vous demande juste de rester silencieux parce que c'est extrêmement célèbre. Jouez le jeu, si vous pouvez, vous ne parlez pas. Ce que je vais vous demander, vous allez voir une scène fameuse maintenant. Certains d'entre vous l'avez pas vu, donc pour ceux qui l'ont pas vu, vous allez voir deux équipes, une équipe en t-shirt blanc, une équipe en t-shirt noir. Chaque équipe a une balle de basket et chaque équipe va faire des passes intra-équipe. Autrement dit, les gens en t-shirt blanc vont se faire la passe de leur balle et les gens en équipe noire vont se faire la passe de leur passe dans, dans, en intra-équipe, entre les gens en t-shirt noir. Ce que je vais vous demander de faire dans les 40 secondes qui suivent, c'est de compter le nombre de passes de l'équipe en blanc. Ce qui, au passage, va vous permettre de sentir l'effort de la naissance de la perception en vous. Ça va vous demander un effort. Je vais vous indiquer la première passe et vous vous concentrez. Euh, euh, voilà, je crois qu'il y a des boissons offertes pour ceux qui auront la, le, le bon des comptes. Et c'est une expérience historique de Dan Simon et Christopher Chabris que vous pouvez voir sur leur site. Alors, passe numéro des Blancs, numéro 1, voilà. Voilà, donc vous avez compté combien de passes qui a, qui a compté 14 Je vois. Et 13 plutôt En fait, on, on, évidemment, on s'en fiche. Je vous avais prévenu que c'était un tour de magie. Alors, je vais vous montrer le film à nouveau, notamment pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc, ne comptez plus. Ne comptez plus. Ne comptez plus les passes. Vous allez voir le monde différemment. Eh bien, j'ai bien vu. <laughs> et voilà, donc il y a cet acteur déguisé en gorille. Il rentre ici. Et si vous avez vu le film pour la première fois, et si vous avez fait ce que je vous ai demandé de faire, 80 à peu près d'entre vous n'ont pas vu. Et pourtant, il est là. Hein, C'est le même film. Et ça participe. Pourquoi je vous le montre ce soir C'est pas tellement pour l'aspect spectaculaire de cette. Il est utilisé par exemple dans les auto-écoles pour montrer qu'il ne suffit pas d'avoir les yeux ouverts pour voir ce qui se passe. Il faut être concentré sur ce qu'on cherche à voir. Mais pour vous dire que ça participe ici là encore de cette illusion de penser qu'on a tout vu. Et cette illusion, elle est très forte. Je vais passer un petit peu, mais par exemple, une des plus belles manipes a été faite dans les années 70, notamment par McConkey et Reiner. Euh, je vous envoie cet article. La scène est merveilleuse. Il y a des répliques contemporaines. On vous montre un écran, mais attention, on mesure la position de vos yeux, d'accord Comme tout à l'heure, ok C'est assez facile. De, on peut traquer avec différents systèmes, soit vraiment l'aspect euh, du système oculomoteur, soit même euh, on peut euh, utiliser la, euh, par, euh, par infrarouge voir où est votre pupille et donc voir où est-ce que vous êtes en temps réel. Et n'oubliez pas ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que lorsque vous faites un mouvement des yeux, c'est un peu comme dans Mission Impossible, vous avez 200 millisecondes pour changer ce qu'il y a à l'écran sans que la personne le voit, puisque pendant 200 millisecondes c'est coupé. Et donc le truc magnifique, c'est qu'on vous dit que vous lisez un texte. Donc il y a, sur l'écran il y a un texte. Je ne sais pas, moi, longtemps, je me suis euh, couché de bonheur ou ce que vous voulez. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'en fait, là où vous voyez le texte, il y a le texte et dans les mots qui sont à côté et au-dessus en dessous, mais tout le reste, on met des X partout. On ne met que des X partout. Et puis quand vous continuez à lire, eh bien pendant les 200 millisecondes après chaque saccade, on a le temps d'effacer, de mettre les vrais mots là où vous voyez maintenant et de remplacer les mots vous voyez par des X. Et quand vous vivez cette scène, subjectivement, ce que vous percevez, votre, votre cinéma intérieur vous emmène vers quelque chose qui est... J'ai lu une page de texte. Je vois une page de texte. Et non pas l'idée qu'il y a des mots que je lis et il y a des X partout. Autrement dit, à partir de cette information appauvrie en périphérie, vos connaissances selon lesquelles vous êtes en train de lire quelque chose et chaque fois que vous bougez, ça se met à jour, vous avez cette, euh, ce film subjectif qui est en fait ce que vous êtes en train de lire. Ce n'est pas ce qu'on vous a montré du tout. Une... Et d'ailleurs, euh, Oten et ses collègues ont fait une version statique. Vous pouvez le faire. Si vous fixez ici, là, vous voyez, il y a un petit disque. Fixer vraiment le centre de ça, je vous laisse fixer, en général quand vous faites ça, vous avez la perception subjective de voir une texture de texte, en tout cas de, de lettres différentes, partout, homogène. Alors que si maintenant vous ne fixez pas, vous voyez que là, c'est que des X, là, c'est que des X, là, c'est que des X, là, c'est que des X. Mais refixer le milieu, c'est pas juste que vous ne voyez pas qu'il n'y a pas de X, mais vous arrivez à basculer dans un mode où vous avez un cinéma intérieur qui vous procure la perception, qui a partout ce que vous voyez au milieu, c'est-à-dire partout des groupes de lettres qui ne sont pas prononçables, d'accord Et on peut en varier beaucoup. Alors évidemment, quand on voit tout ça, on peut ajouter un dernier ingrédient, qui est euh, et je resterai dans, dans le temps, Francis, dernier ingrédient, je, je tiens à le montrer parce qu'il est essentiel, une façon de constater toute cette ce moteur de la construction de sens subjectif qui opère en nous en permanence, même pour des choses pas importantes, eh bien, euh, c'est par exemple, ça peut être illustré par ce travail, qui est un vieux travail, on dirait presque un un film euh, allemand à la Murnau, vous voyez. Euh, c'est un film de Heider et Simmel, deux psychologues autrichiens et, et, et allemands euh, juifs. Pendant, juste au début de la guerre, ils sont immigrés au, au début de la guerre aux États-Unis et ils ont fait des, des, des études de psychologie assez profondes, notamment sur cette, euh, ce sens de l'agentivité de, de l'animation. Je vous le montre dans le contexte qui nous intéresse ce soir. C'est ce que vous allez voir là, c'est simplement des formes géométriques, des formes géométriques qui bougent sur un écran, un peu chapi chapeau version euh, 1944. Pour ceux qui connaissent, Chapi chapeau. Donc vous voyez, ça c'est, vous avez un triangle hein, et vous allez avoir deux ronds, On a un triangle et un rond, voilà. Et je vous laisse voir. Et là, vous êtes déjà dans votre cinéma intérieur, en fait. C'est-à-dire que là, il y a des formes géométriques toutes bêtes, mais vous ne pouvez vous empêcher de construire une histoire, de construire un sens, de construire des liens, de voir des personnages, voire de projeter des genres sexuels, des intentions, des émotions, voire d'avoir l'impression que telle personne ou tel personnage regarde tel personnage. Alors je vous laisse voir le film jusqu'au bout. C'est en 1944, mais aux États-Unis, donc il y a une happy end. Voilà, le grand méchant arrive, ou la grande méchante, hein. tout est possible. Vous entendez presque le bruit de la porte qui grince. Pas le faire trop, durer. Et voilà, c'est fini. Et euh, fou de colère, tout va être détruit. Euh, mais sans blaguer, le point intéressant, c'est que face à cette scène élémentaire, quand vous constatez sans aucun effort volontaire de votre part. Tout ce qui se raconte en vous de ça, ça vous donne aussi une manière de percevoir tout ce qu'on essaie de visiter depuis ce soir, depuis le mouvement, la couleur, etc. C'est tous les mécanismes de naissance de ce film subjectif qui tourne sans cesse tant qu'on est conscient en nous. Et au, au, au passage, il ne vous étonnera pas de savoir qu'il y a des pathologies neurologiques ou psychiatriques dans lesquelles ces mécanismes d'attribution de sens ne fonctionnent pas aussi bien, dans lesquelles vous avez certaines situations dans lesquelles les figures géométriques restent des figures géométriques simples sans pouvoir leur projeter des intentions, des désirs, des identités, des liens, etc., notamment dans des pathologies euh, autistiques ou autres, ou des pathologies frontales, vous pouvez avoir des défauts d'attribution, en fait, de, de, de signification euh, sociale associée à des personnages. Donc tout ça pour arriver au bout de ce qu'on voulait dire, c'est qu'évidemment, dans notre mémoire, évidemment que tout ce cinéma intérieur, lorsque vous vous souvenez de quelque chose, ce cinéma intérieur tourne aussi. Et pour euh, citer trois ou quatre phénomènes dans lesquels il, il joue, d'après moi, et je finirai là-dessus, on a souvent l'introspection que notre passé est une continuité, qu'on pourrait accéder à n'importe quelle période. Mais plusieurs écrivains, de nombreux philosophes, et chacun d'entre nous, il nous est arrivé de constater qu'en fait notre passé épisodique, peut-être qu'il ressemble plus à une sorte de mosaïque. Vous avez quelques îlots quelques comme ça, où vous pouvez dire quelque chose, et puis entre ces îlots, vous avez rien. Et vous avez une sorte de, de mécanisme qui vous donne l'intime conviction, comme dans le je pense tout voir d'avoir une continuité de votre existence, alors qu'en fait, le rapport qu'on a à notre mémoire subjective, il est beaucoup plus proche de celui d'un enquêteur, quoi, ou la personne que j'étais il y a 15 ans et celui que je suis à l'instant où je vous parle, euh, d'arriver à reconstituer tous ces liens, c'est tout sauf simple, et une manière de le faire, c'est d'avoir conscience de ces phénomènes de, de cinéma subjectif. Évidemment, appliquer le cinéma intérieur, à la mémoire, ça donne tous les phénomènes sur lesquels Francis et d'autres collègues travaillent, les faux souvenirs, la reconsolidation, la spécification d'un souvenir, Etc., et les mécanismes de déplacement, de transformation, euh, et qui nous amènent, et je terminerai par là, en réalité, à deux idées. Euh, je vais finir par celle-là, voilà. c'est que euh, je, vais finir par, je finirai par celle-ci, voilà. c'est la question du rapport à la réalité, qui est une question philosophique. Et pour le faire très rapidement, tel que moi, en tout cas, ma version de cette histoire, c'est que euh, ce, qu on vous raconte, ce que je vous raconte ce soir, et quand je dis on, parce que c'est aussi un des messages des neurosciences cognitives contemporaines, d'après moi, le message n'est pas du tout. Une sorte de gage ou de caution pour un relativisme intégral qui dirait Oh, vous savez, euh, ma petite dame, le monde extérieur, de toute façon, je ne le connais pas, donc je fais ce que je veux parce que. Est-ce qu'il existe Je ne sais pas. Donc, toutes les pentes du relativisme intégral, du négationnisme, de, du déni d'existence des choses ou des actes ou de la responsabilité. Évidemment, pourquoi, d'après moi, c'est très facile de, de mettre de côté euh, cette sorte de, de naïveté C'est qu'en fait, euh, ce que ça nous dit, c'est que. On ne doit pas être dans une crédulité naïve. On doit pas être dans une crédulité naïve. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que ce que je perçois du monde, c'est pas le monde. OK. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le monde n'existe pas, d'abord. Au contraire, vous avez... J'ai travaillé avec des historiens, par exemple, avec Patrick Boucheron ou de l'école de Ginsburg, etc. Vous avez ce qu'on appelle la micro-histoire. Les historiens, ils sont fascinés par ça, de dire l'historiographie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour générer un discours d'un événement qui a eu lieu alors que le récit que j'en ai va passer par des cinémas intérieurs euh, de témoins, euh, euh, de, de gens qui ont aussi une mission politique pour orienter un récit vers un autre, etc. Et l'idée, c'est de dire, c'est pas qu'on renonce à la réalité de, de l'histoire ou des choses, c'est que simplement notre travail est plus compliqué. C'est qu'il faut faire parler des indices du monde, de l'histoire du monde, mais aussi de notre histoire à nous, et donc d'avoir cet aspect de méthode indiciaire, de chercher des indices, parce que quand vous avez un patient qui a un faux souvenir, son faux souvenir, il tombe pas du ciel. Rappelez-vous, l'imagination, elle est très proche de la perception, donc souvent les faux souvenirs d'un patient vous donne aussi à penser de qui il est, de comment ça s'est passé, de qu'est-ce qu'il y a. Donc, je pense que c'est tout sauf une caution pour le relativisme. Je dirais que les deux écueils, c'est le relativisme d'un côté et la crédulité naïve de l'autre, et que le chemin intermédiaire, c'est celui, euh, et honnête, je dirais aussi, c'est de se dire, on a des indices, pour dire ça, c'est à peu près certain, ça c'est là, et, ça, et ensuite, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, ou quelle était ma vie, etc. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, deuxième argument très fort pour moi, c'est que ce que vous pensez du monde... C'est pas en dehors du monde. On n'est pas assis en dehors du monde. Quand on perçoit le monde d'une manière ou d'une autre, eh bien notre perception du monde, nos films intérieurs, il fait partie du monde. Simplement, il fait partie sur un statut un peu différent. Il fait partie non pas comme une description du monde, mais comme un élément en plus dans le monde. C'est que dans le monde il y a le monde et puis à ce que moi je me raconte du monde. Et la preuve, c'est qu'évidemment nos actions, nos décisions, notre vie politique au sens large, elles sont aussi influencées largement par nos cinémas intérieurs. On peut massacrer des gens ou faire des choses plus sympas. Au nom des fictions qu'on se fait du monde. Et donc, ça leur donne une vraie réalité. Donc, tout ça pour, euh, en 30 secondes, vous parler de cette notion de, du rapport au réel qui n'est, après moi, pas du tout mis en cause par ce pan de connaissance, mais qui est rendu plus mature, plus lucide, on pourrait dire. Et je terminerai juste là-dessus c'est que euh, nos collègues philosophes, je pense notamment à Daniel Dennett, que je vous invite à lire si ces sujets vous intéressent, depuis longtemps, il a développé cette idée de faire attention il y a une métaphore qu'il appelle le théâtre cartésien. Euh, et je veux dire que le cinéma intérieur n'est pas un théâtre cartésien. Alors c'est quoi un théâtre cartésien Un théâtre cartésien, c'est l'idée suivante, qui est bien restituée par cette, cette, cette représentation graphique. C'est que si vous pensez que quand vous voyez le monde, il y a des régions de votre cerveau qui euh, font des images du monde, et que vous, vous êtes en vous, et que vous contemplez ces images pour en avoir une perception, en fait, vous devenez dualiste. C'est-à-dire que vous pensez qu'il y a des régions de votre cerveau qui font quelque chose, mais que vous, c'est pas ça. C'est encore autre chose qui recevait ces images. Et l'argument, c'est que si vous pensez comme ça, alors assez implacablement, vous en arrivez à vous dire « D'accord, mais alors le vrai moi qui est à l'intérieur de ce théâtre, qui voit la scène représentée dans mon cerveau, lui aussi, il a des mécanismes pour l'apercevoir ». et bien ces mécanismes, ils vont à nouveau faire appel à une représentation de la représentation et d'un nouvel acteur qui va percevoir la représentation de la représentation. Et évidemment, c'est une régression à l'infini. Et ça, ça revient à dire qu'on est dualiste, à penser qu'en fait, ce qui se passe dans notre esprit et dans notre cerveau, n'est pas la même chose que ce qui, passe, ce qui se passe dans notre esprit, consciemment en tout cas, n'est pas la même chose que ce qui se passe dans notre cerveau. Alors pourquoi le cinéma intérieur n'est pas un, un théâtre cartésien Je pourrais terminer là-dessus comme une sorte de, de teaser. Euh, avant tout, c'est que dans le cinéma intérieur, vous êtes certes le spectateur, mais vous êtes aussi le réalisateur, vous êtes le monteur, vous êtes le personnage principal, vous êtes l'acteur, vous êtes tout, vous êtes l'écran de projection, vous êtes la caméra, vous êtes tout ça. Et le fait que vous occupiez tous ces rôles en même temps fait que vous échappez, à mon sens à ce risque de dualisme. Voilà. Alors j'espère que euh, j'ai dépassé de quelques minutes, que cette promenade à cheval qui nous a emmenés depuis, euh, depuis les premières images du cinéma, depuis l'invention du mouvement jusqu'à la mémoire, euh, euh, voilà, vous aura apporté quelques éléments pour discuter, pour réfléchir et peut-être pour discuter ensemble dans, dans le temps qui nous reste. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, vous avez trouvé très concentré. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci infiniment, merci. Euh, Lionel. Et donc, euh, vous trouvez dans ce livre hein, euh, bon beaucoup d'éléments qui ont été prononcés lors de la conférence. Bon, moi, j'ai plein de questions, mais j'aimerais mieux que les questions viennent de, de la salle. Notamment, il y a un ours là-bas. Je ne sais pas si tu l'as vu, qui va, qui va certainement poser des questions. Ah, encore, hein, tu ne l'as pas encore vu. Il faut te je concentrer. Suis aveuglé, voilà. Je suis aveuglé, donc je n'ai pas vu. <laughs> Et, et puis les internautes, hein, on attend les questions des internautes. Euh, non, c'était une blague, l'ours, ne hein, le cherchez ah pas. Mais je je l'ai cherché, hein, parce que. <laughs> euh, moi, je, je vais aller à la, à la fin de ta, ta conférence. Je vais d'abord dire une chose c'est qu'à partir d'exemples simples, un peu extraits de, de la perception, des, des exemples classiques, moins classiques, en fait, quand on extrapole. Euh, ton exposé, il nous montre, euh, tu as utilisé le terme de vertigineux, mais c'est un peu ça, il nous montre la complexité de la mémoire. Parce que la mémoire, hein, c'est encore plus compliqué, parce qu'on voyage dans le temps, on imagine ce qu'il y a devant nous, on, et, et donc on, les, les gaps, hein, les, les, les manques sont encore plus importants. Et c'est ce qui est fascinant. Et, et peut-être que Jean-Gabriel Ganassia s'exprimera à un moment donné, s'il le souhaite. C'est peut-être une des différences. Enfin, moi, je vois ça de façon simpliste, hein, avec l'intelligence artificielle, avec les mémoires artificielles, avec, avec plein de guillemets. Parce que... Donc la mémoire, c'est ce que tu nous as montré ce soir. Alors, je voulais te poser une question. Tu n'es pas obligé de répondre. De toute façon, tu fais ce que tu veux. Mais c'est une, une je question. Oui, oui, oui je, je veux bien que tu dises quelque chose, ceci dit. Euh, c'est pourquoi euh, on parle de la mémoire humaine. Euh, pourquoi euh, l'évolution humaine a choisi ce chemin-là Parce que là, tu nous as montré des exemples, c'est extrêmement convaincant. Mais pourquoi, euh, pourquoi le, le, la, la physiologie, la, la, la physiologie humaine, euh, euh, l'évolution depuis des, des, la nuit des temps a choisi ce chemin quand même audacieux, risqué risqué parce qu'en plus, il faut vivre ensemble. Tu l'as montré avec le, le film. Euh, parce que si en plus, euh, on prend tous des chemins différents, alors déjà, individuellement, on, on est toujours à la limite euh, de la reconstruction euh, euh, de la vérité, si ça existe, de la réalité, et puis d'une fiction, euh, euh, voire d'une hallucination. Alors individuellement, on est, on est dans, ce, dans cet entre-deux qui est pas facile à, à vivre. Ou, si on, si on prend un mauvais chemin quoi, si on... et puis en plus on doit vivre ensemble et on doit être à peu près d'accord sur ce qui se passe en, en face de nous alors pourquoi au delà de la démonstration que tu as faite moi j'adhère pourquoi, on... est-ce qu'il n'y a pas d'autre chemin et éventuellement c'est la, la deuxième volée de ma question est-ce qu'il y a d'autres euh, organismes vivants qui ont choisi un autre chemin mmh. <laughs> voilà c'est deux deux fantastiques questions. Évidemment, la deuxième, j'aurais, je pense, rien à dire parce que euh, fasciné par, par l'être humain, je connais très pas, très mal les autres espèces animales et je connais mal l'humain aussi. La première, j'ai évidemment pas non plus la réponse. Personne ne l'a. Et là aussi, je terminais sur le risque du dualisme. Il euh, y a aussi le risque du finalisme quand on cherche les explications des choses. Euh, les seuls éléments que, que je peux essayer de développer ou d'avancer comme ça comme, comme jeu, hein, j'en vois deux. La première, c'est que si vous revenez sur la plupart, notamment, je prends l'exemple de la perception, la plupart des mécanismes qu'on qu a montrés, par lesquels on est passé, c'est des mécanismes qu'on peut décrire aussi comme des, comme des mécanismes d'économie. C'est-à-dire que si tu es capable de reconstruire le monde à partir d'une capture discrète de quelques éléments et séparés dans le temps, inféré par tes connaissances, ça sauve une capacité de traitement. Si tu devais vraiment tout faire, euh, ça serait beaucoup plus euh, difficile, lourd et peut-être pas possible. Donc je vois un premier élément évolutif qui serait par des mécanismes d'économie. Et dès que tu as un organisme qui est capable de reconstruire, en tout cas de percevoir et de se comporter dans une scène visuelle avec le tiers d'information qu'un autre, c'est un phénomène énergétique presque et de coût. Donc j'en vois un. Et le deuxième qui est peut-être plus intéressant. C'est que euh, c'est un peu... Vous savez, par exemple, en, je, je connais pas bien la physique, mais ça m'intéresse, ou les maths aussi. Euh, quand vous avez par exemple des, des espaces géométriques, par exemple une courbe, une courbe, et vous devez trouver un minimum, Alors, vous pouvez faire des algorithmes pour essayer d'aller quelque part. Le problème, c'est que vous risquez d'être piégé dans ce qu'on appelle un minimum local. Et quand vous êtes dans un minimum local, si votre algorithme, c'est dire, si je bouge et c'est que c'est plus grand, eh ben, je bouge pas parce que c'est moins bien, vous allez y rester, et vous trouverez pas la bonne solution. Et souvent, dans les techniques opératoires, calculatoires, pour arriver à échapper à ça, qu'est-ce que vous faites Vous injectez du bruit, vous injectez de l'aléa. C'est-à-dire que parfois, votre algorithme, il va, il va faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Vous, dans sa trajectoire, vous allez injecter du truc qui est aléatoire par rapport aux connaissances de la courbe. Et ça, évidemment, ça vous permet de pouvoir faire un saut et de tomber à un moment donné dans le vrai minimum. Je ne sais pas si je suis clair pour tout le monde. Mais ce que je veux dire là, c'est que si ce qu'on perçoit mal du monde et ce qu'on invente fait que ce que vous et moi, je perçois, ce n'est pas la même chose qui a une diversité entre les individus, ça peut à la fois nous permettre d'avoir des idées plus riches, donc c'est une générateur de diversité collective, sociale, pour arriver à mieux euh, interagir avec le monde, parce qu'on n'est pas tous en train de le percevoir de la même façon. Et le deuxième aspect peut-être plus philosophique, ça serait de dire que, et c'est moi ce qui m'anime aussi là, c'est que si on partage ces connaissances, c'est aussi un sacré moteur euh, de tolérance et de lucidité sur soi. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'il y a un gorille. Eh ben, je t'ai pas dit qu'il n'y a pas de gorille. Parce que en connaissant ça, eh ben, je reste comme tout le monde. Et donc, on n'échappe pas à notre condition humaine. Simplement, en savoir un peu plus sur la manière de laquelle on fonctionne, ça peut être un aspect générateur de diversité et mécanisme de tolérance. Évidemment, ça peut être le contraire. Ça peut être utiliser ça pour rendre tout le monde euh, euh, dans une sorte de secte ou de tyrannie ou de pensée unique qui vous fait halluciner le réel parce que vous vous dites « Comme on est sans à penser la même chose », ça doit être vrai. Voilà. Donc il y a aussi le... Donc, je ne suis pas finaliste quand je dis ça, mais je vois au moins ces deux grandes directions. Je, je vais faire un, un autre commentaire et tu peux rebondir. Mais surtout, si vous voulez poser des questions, n'hésitez hein, pas, levez la main, on va vous apporter un micro. Hein. Euh, je, le livre, je l'ai pris aussi comme un jeu. Il enfin, y, a, y a une métaphore, puis... Y a, je crois que pense que tu t'es amusé, enfin, parce qu'il y a quand même des titres. as de beaux yeux, tu sais. Enfin, c'est enfin, amusant. C'est pas des titres classiques. Non. Et à, à la nom... fin du livre, j'ai fait un générique de toutes les allusions à des films, en ouais, fait. Ouais. Il y en a presque non, plus. Non, c'est très drôle. Donc, tu, tu, tu pousses le, le, la métaphore loin, et puis tu prends des exemples dans, la, dans le domaine de la perception visuelle essentiellement. Et ça marche bien. Ça marche très bien. Et ta conférence, elle est, elle est extrêmement euh, démonstrative. Ceci dit, on fonctionne pas comme ça. On a plusieurs sens, on a un, on a un corps, etc. Et, et donc je pense que cette dimension-là, je veux bien que tu en dises un mot, parce que tu en parles un peu dans le livre, euh, parce qu'il on a, on a bon, y a les sens, et puis il y a même euh, le, tout, tout l'aspect proprioceptif qui est, qui est extrêmement important. Des choses aussi simples que on, on, vous avez tous l'impression d'être dans votre corps. Vous n'êtes pas à côté de votre corps. Vous n'êtes pas... Moi, je ne suis pas assis là, vous voyez, je, je suis assis et je suis dans mon corps. Ce n'est pas si simple que ça. Donc, euh, je pense que ce sont tous ces aspects-là qui permettent peut-être de corriger un peu, le, qui nous aident à, oui. à synthétiser l'ensemble et, et à moins s'égarer. Ouais. Euh, oui. Je veux je bien que tu commences. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais je le verrai presque dans, dans l'autre direction. C'est dans le sens... Alors, j'en parle un peu vers la fin du livre, c'est que euh, de la même façon qu'on peut unifier dans... Euh, dans L'aspect visuel, la perception, l'imagination, l'hallucination, euh, les souvenirs visuels, etc., je pense que ça va au-delà de la vision. Je donne quelques exemples, évidemment, ils sont moins explorés, mais dans la modalité par exemple auditive ou, euh, ou euh, nociceptive ou, ou proprioceptive, on a beaucoup d'éléments. Je vais en donner deux, celui de, dont, dont tu parlais, mais par exemple, vous savez, il y a une très vieille illusion qui est une illusion qui a été décrite à la fin du 19e siècle et qui était réinvestie euh, dans les années 2000 avec l'imagerie cérébrale fonctionnelle. C'est que si on vous pose une alternance. De température chaude et de température froide, ce qu'on appelle l'illusion de la grille thermique. Donc, la variation thermique entre quelques millimètres de peau est très importante, mais chacune des deux températures est tout à fait tolérable. Mais quand on vous pose cette grille, vous percevez un sentiment de brûlure horrible, alors qu'on ne vous a pas donné des températures horribles. Donc, et pour là aussi, donc pour dire l'équivalent de la reconstruction du cinéma intérieur dans la stimulation de la ça existe. Dans l'audition, il y a beaucoup d'exemples. Et ce que tu disais, ça va pour moi aussi avec. C'est qu'effectivement, euh, vous avez des manips dont je parle dans le livre, exceptionnel. si vous demandez aux gens euh, « euh, Quelle est ta place dans le monde Où est-ce que tu te situes dans le monde ?» Alors souvent, les gens, ils partent en torche. Ah, « moi, tout ça. Euh, depuis mon enfant, j'ai du mal avec. Bon. » Non, non, mais ce que je veux dire, c'est quand on parle, là, tout de suite, là, toujours le préquel, « T'es où ?» Et quand vous posez la question aux gens euh, et à vous même pour l'instant, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit « Je suis dans mon orteil droit, quoi. Je... » Et réfléchissez, où est-ce que vous êtes Si vous êtes quelque part, vous êtes où? Et en fait, très rapidement, et il euh, y a des manipes magnifiques du début du XXe siècle qui montrent que la plupart des gens pensent qu'ils sont plutôt pas tellement bas, hein, plutôt autour de la tête, quoi, et en fait plutôt autour des yeux. Et donc très rapidement, des manips qui ont été faites et qui ont été revisitées, c'est qu'est-ce qui se passe si vous commencez à percevoir visuellement le monde d'un autre point de vue que celui de vos yeux par exemple, on vous bouge les yeux et on vous met une caméra sur le ventre, ou bien euh, on vous met une caméra de réalité virtuelle, et c'est ce qu'ont fait des collègues en Suisse et en Scandinavie, et on vous montre, et, et en fait vous voyez ce qui se passe à partir d'un point de vue qui est filmé 5 mètres derrière vous. C'est-à-dire qu'il y a une caméra 5 mètres derrière vous, et vous, vous voyez ce que filme la caméra 5 mètres derrière vous. Ou l'inverse, hein, devant, il y a plein de manifs fantastiques je, dont je parle, que je cite. Eh bien, quand vous faites ça, très vite, en quelques minutes à peine, on se délocalise. Alors c'est pas que vous vous dites je suis au bout de la salle, mais dans des manip où on peut mettre on peut qualifier, on peut mesurer. Comment vous vous estimez Par différentes Eh bien on voit que vous avez bougé votre sens de réalité subjective, votre position, elle est plus là où vous êtes, elle est un petit peu ailleurs. Et on en discutait avant la conférence. Il y a des situations dans la vie de tous les jours. Il y a soit de la physiopathologie pas grave ou des, des choses plus graves, mais on peut avoir des expériences de sortie de corps euh, qu'on peut avoir dans différents contextes. Et peut-être certains d'entre vous ont fait cette expérience, où vous pouvez, euh, les plus connus, c'est de se voir euh, en haut, ce qu'on appelle l'éotoscopie, d'avoir l'impression qu'on est au plafond, etc. Mais ça peut être aussi d'autres choses. Donc là aussi, euh, et c'est un aspect, tu disais, vertigineux, moi je trouve que c'est à proprement parler vertigineux, parce que quand vous dites, bon, bah, l'écran qui est devant moi, en fait, je perçois de l'écran une construction savante de mon cinéma intérieur sur l'écran, ok. Mais quand vous parlez pas de l'écran, mais vous parlez de vous, et vous vous dites, en fait, moi, comme objet de ma perception, la perception que j'ai de moi n'échappe pas à mon cinéma intérieur, et que la manière de laquelle je pense que je suis, où je suis, etc., c'est aussi une forme de construction qui en fait partie. Donc euh, je, je vais dans ton sens pour dire que c'est beaucoup plus large que, les, que la vision, et qu'évidemment ça va donner des différences entre les modalités, mais que je pense que ça va plutôt aussi comme une généralisation du fait que cette notion d'invention de, de ce qui se passe n'est pas cantonnée à la vision, je pense. Très bien. Donc il y a une question dans la salle. Allez-y, monsieur. Une question rapide. Je trouve que les mécaniques que vous décrivez ressemblent beaucoup à ce qu'on imagine de, de ce qu'est l'intelligence artificielle sur, la, sur les téléviseurs, sur, sur, même sur les, sur les moteurs de recherche qui essayent de comparer des images et autres. À quel point euh, l'un inspire l'autre, à quel point euh, la technologie aujourd'hui s'inspire de, de vraiment ce qu'est l'œil humain et de ce qu'est la physiologie humaine Merci pour votre question. Jean-Grébel Ganessel peut-être pourra aussi réagir. Ce que je voudrais dire à ça, parce que je, trouve, je suis d'accord avec vous. Et un des trucs qui est assez incroyable. Euh, je sais pas si je peux prendre une minute pour répondre. Oui, oui, voilà. oui. Je vous ai dit que moi, en fait, ce, en fait, ce livre-là, c'était deux livres au début. C'était... Le deuxième, il, il, est, il, est, il faut que je, je le fasse différemment, mais je l'ai écrit après. Mais c'est le même questionnement. C'est sur le discret, le continue. Ce que je disais tout à l'heure rapidement. Est-ce que réellement, au-delà des images, est-ce qu'en fait, on a un statut... Euh, on est enchaîne des états mentaux discrets ou des états où est-ce des états continus bon. et si vous si vous creusez cette question en dehors de l'aspect connaissance euh, philosophique euh, connaissance de soi euh, aujourd'hui avec euh, en fait une des questions peut-être sociétale je sais pas si ce sera l'élection de la question de l'élection 2022 mais une élection une question fondamentale dans la vie qu'on vit politique mondiale je parle pas de la France seulement c'est quelle est la place de l'individu dans le monde euh, quel est le type de relation que j'entretiens avec les autres et aussi avec le monde animal non humain, et aussi avec le monde végétal, ou avec le cosmos, ou avec la nature, tous les thèmes d'écologie politique, etc. Donc la question, est-ce qu'on est des entités discrètes qui dépendent les unes des autres, mais qui sont discrètes, ou est-ce qu'on est dans un grand tout et qu'il n'y a pas vraiment de différence entre nous Je suis plutôt discret que, que continu, mais ça, ça se discute. Et donc j'arrive à votre question. C'est que quand on voit le cerveau, vous savez que les neurones, c'est discret. Le prix Nobel de Cajal c'est de dire, en fait, les neurones, c'est pas une sorte de grand syncytium, c'est pas qu'ils sont tous fusionnés, c'est que c'est des unités de codage discrètes. Euh, mais en réalité, il y a des neurones, mais il y a aussi d'autres cellules, des cellules gliales, des cellules qui sont pas du tout discrètes, qui sont plus en réseau continu, et les neurones eux-mêmes, c'est compliqué, etc. Donc la question se pose. Et j'arrive à votre question, c'est qu'en fait, les modèles d'intelligence artificielle de type deep learning, dont je suis pas expert, mais qu'on pratique ou qu'on utilise... Ils ont l'intérêt de pousser la métaphore neuronale à fond, de dire en fait, on va faire des entités discrètes et puis on va voir comment ça fonctionne. Et toute une série de travaux remarquables, il y en a eu au moins quatre cette année, sont magnifiques, où vous prenez, en fait, vous construisez du deep learning <coughs> pardon, en essayant d'être neuromimétique. C'est-à-dire que vous allez enchaîner des, des couches d'apprentissage qui vont essayer de reproduire les voies visuelles, cérébrales. Hein. Et ce que vous faites, c'est qu'ensuite, vous arrivez à prendre la même chose dans un vrai cerveau, et vous voyez comment vous arrivez à décoder une image, des attributs d'une image mentale, une couleur, un mouvement, une position, une forme, aux différents étages du système nerveux. Et ensuite, vous voyez si vos algorithmes, ils, se, ils généralisent ou bien ils sont proches de ceux des modèles de deep learning. <coughs> Pardon Je suis vacciné, euh, négatif. Pas qu'on me fusille. Euh, et, et en fait, vous voyez qu'en fait... La voie visuelle ventrale, eh bien, quand les modélisant en de deep learning, elle se rapproche énormément en termes de décodage des propriétés de ce qu'il y a dans le cerveau dans la région équivalente. Et pourquoi c'est intéressant Parce que dans le deep learning, il n'y a pas de gly pour l'instant, il n'y a que du neurone. Donc, ce qu'il est supposer que le codage discret neuronal euh, il joue un rôle important. Et du coup, ça va dans le sens de ce que vous disiez. Il y a beaucoup de questions des, des internautes. Je, je les résume parce qu'elles tournent beaucoup autour de, de la question des thérapies. Et à partir de ce que tu as montré, est-ce qu'il y a des équipes de recherche qui développent des thérapies, euh, qui utilisent en fait ces, les mécanismes que tu as décrits ou les techniques euh, qui sont utilisées comme la réalité virtuelle pour, euh, pour soigner des patients Alors c'est une question immense, évidemment, euh, euh, et la réponse est, est oui. Euh, donc on utilise, quoi, moi personnellement, pas directement pour l'instant, mais ces techniques-là, ou certains de ces savoirs, notamment en psychiatrie par exemple pour aborder certaines phobies certains types de, de troubles pour lesquels on peut beaucoup plus aider euh, des, à résoudre certains symptômes par l'utilité de ces techniques euh, donc c'est sûr qu'il y a un potentiel euh, énorme de, de tout ça et je pense euh, en plus de ça que, que, que le fait de savoir les choses euh, ça vous change en fait euh, c'est un peu mon expérience hein, je ne sais pas si vous vous la partagez mais quand vous commencez <coughs> vraiment à rentrer dans cette compréhension des choses, ça vous, ça vous aide à porter un regard sur vous-même et sur les autres un peu différent. Et cette dimension euh, explicative, elle peut aussi avoir une valeur thérapeutique, mais beaucoup plus large en fait. Je veux dire. Merci. Alors, il y a une question au fond aussi. Oui, bonsoir. bonsoir. Euh, votre transition était parfaite euh, par rapport à ma question. En fait, je me demandais justement euh, par rapport à, aux illusions d'optique et à ce, ce texte euh, avec les X en périphérie euh, que vous nous avez montré, pourquoi euh, ça marche encore une fois qu'on sait ce que c'est et si justement il y a cet apport euh, top-down qui contribue beaucoup à, à notre perception C'est une super question. Alors, un élément de réponse qu'on peut avoir dans le top, le, donc je peux vous montrer cette diapo parce que en fait d'une certaine manière... Euh, ah oui pardon, on va pas la montrer. Dans, dans cette euh, diapo où il y avait le bottom-up et le top-down, on pourrait dire, euh, non pas il y a tout, hein, <laughs> mais il y a beaucoup de choses. Voilà. Beaucoup plus que ce que j'ai dit même. Et donc par exemple, il euh, y a deux collègues israéliens, Orstein et Aissar, qui ont proposé une théorie qui s'appelle le reverse hierarchy principle, le principe de hiérarchie inverse. Et de dire qu'en fait... Vous savez, je vais commencer à vous dire, et puis beaucoup d'entre vous vous connaissez beaucoup plus, mais je parle de manière générale. Eh bien, vous avez des régions qu'on labellise un peu, des régions primaires, des régions secondaires, des régions associatives, des régions hétéromodales, des cortex de haut niveau associatif, fronto-parietaux. Bon, vous avez une hiérarchie dans l'organisation du système nerveux, du, du cortex notamment. Et euh, le top down, ça vient tout en haut, donc ça vient des réseaux, disons les plus les plus euh, élaborés, euh, euh, fronto-parietaux notamment, euh, et ça descend. Et l'idée, c'est qu'en fait, quand vous descendez, vous arrivez à faire du top-down sur ce qui est près de vous. Mais plus vous essayez de faire du top-down sur quelque chose qui est loin de vous, plus vous avez de mal à le faire. D'où les principes que j'ai mentionnés tout à l'heure d'impénétrabilité cognitive. Euh, vous avez parfaitement résumé le fait que la diapo de Houghton que j'ai montré même si vous vérifiez qu'il y a des trucs, eh bien vous allez retomber dans cette illusion, et la plupart des autres aussi. Et, et l'explication que je fournirai, c'est qu'en fait, le niveau dans votre cerveau où ça se joue, c'est cognitivement impénétrable parce que c'est trop loin de. C'est un très bas niveau, en fait, auquel ça, auquel ça opère. Ça serait mon, mon élément de réponse, euh, en sachant que, voilà, mais que sinon que ce principe. Euh, on a une théorie de la conscience avec Stanislas Dehaene, Jean-Pierre Changeux, qu'on appelle le Global Neuronal Workspace, qui, qui repro, repose aussi sur certaines de, 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 de ces idées-là. Euh, mais vous avez parfaitement raison, et il y a plein de manies à faire pour voir à quel, moment, à quel moment on peut échapper ou pas à, à ces phénomènes. Mais Et dans la genèse de ce qui se passe en nous. Là aussi, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'a aucune agentivité. C'est peut-être une autre façon de le dire. C'est que qu'un des éléments qui est fabuleux dans ces histoires, c'est que pourquoi on ne le sait pas plus tôt Parce qu'en fait, on n'a rien à faire. Ce n'est pas le fruit de nos efforts. Ça se joue en nous comme ça. Et la dernière idée que j'aimerais rajouter, c'est qu'une des, des découvertes importantes qu'on a pu faire, c'est de montrer que même si c'est cognitivement impénétrable, alors ça, ça va prendre la forme d'une sorte d'aphorisme un peu général, ou tout ça. c'est que ce qui se passe en vous inconsciemment, dépend de ce que vous êtes en train de faire consciemment. Autrement dit, les gens aiment bien fantasmer sur « Ah, il y a quelque chose d'inconscient en moi, plus fort que moi, etc. » bon. Mais l'inverse existe aussi. C'est-à-dire qu'en réalité, selon votre posture consciente, il ne va pas se passer les mêmes choses en vous. Typiquement, le gorille, si je vous avais demandé de compter les passes de l'équipe en t-shirt noir, eh ben, tout le monde aurait vu le gorille. Ce qui s'est passé, c'est qu'en vous demandant de voir le compter de l'équipe en blanc, vous avez mis en place de manière top-down... Un système de filtre attentionnel qui a essayé d'éliminer tout ce qui est parasite et comme par hasard l'équipe à côté elle était en t-shirt noir donc cela le, et le gorille il est en noir mais si le gorille était blanc ben vous l'auriez vu etc donc notre posture consciente et ça pour le coup en termes de thérapeutique et d'ergonomie de plein de choses c'est un principe d'après moi très important votre posture consciente fait qu'il se passe pas en vous la même chose même si ce même chose en question vous n'en avez pas conscience de toute manière je sais pas si je suis clair une dernière question euh, qui vient d'un internaute, Jean-Pierre, qui, qui commence par dire bravo. Donc, euh, merci, merci beaucoup. Merci Jean-Pierre. Quand on souffre ou quand on a du plaisir, que se passe-t-il dans notre cinéma intérieur de sa vision du monde C'est une belle question pour finir. C'est une hein, magnifique ça. question. Ouais. C'est une magnifique question et qui est plus une question d'ouverture, en fait, euh, euh, à laquelle, euh, là aussi, y il y a des choses, on pourrait dire qui n'ont pas besoin du cinéma intérieur, c'est-à-dire que tout ce qu'on sait déjà sur les systèmes de souffrance, de récompense, la manière de laquelle la neurochimie du plaisir, etc., euh, donne, apporte déjà des éléments de réponse qui sont importants. Mais je pense que ce que veut dire Jean-Pierre, c'est aussi que qu'est-ce qui se passe de spécifique dans le cinéma intérieur, selon le plaisir et la souffrance. Et là, d'après moi, euh, la seule chose que je pourrais dire, comme ça, c'est que la métaphore du cinéma. Et vous avez vu, c'est étrange parce que cette métaphore du cinéma, c'est au début un jeu, et puis évidemment, ça reste une métaphore. Mais elle, est quand même, elle aide à penser. Eh bien, si vous prenez euh, la métaphore du cinéma, il y a deux choses c'est que pourquoi certaines scènes vous allez vous en souvenir et d'autres pas. Pourquoi Et ça, vous est, on a beaucoup de mal à, à, et dans votre vie aussi. Pourquoi vous allez vous souvenir de tel élément, tel détail et il y a des pans entiers de votre vie qui auront disparu, des gens qui vont dire Mais tu te souviens, tu avais fait ça tu... Aucun souvenir, etc. Donc il y a cet aspect de sélection en fonction peut-être des émotions qu'on a ressenties, du plaisir ou de la souffrance. Et puis l'autre chose, c'est que euh, évidemment, dans la souffrance extrême du cinéma intérieur, il y a des situations comme euh, la, la, la tristesse profonde, mais il y a aussi par exemple ce qu'on appelle le stress post-traumatique. Et le PTSD, la métaphore pour moi, c'est euh, euh, vous êtes. Euh, euh, adolescent, et puis on vous met dans un cinéma, un, vous voyez un film d'horreur, vous êtes dans la mauvaise salle, vous ne pouvez plus sortir, il euh, y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui s'impose à vous, je veux dire. Donc j'aimerais terminer là-dessus, peut-être sur sur, sur, en rebondissant et en élargissant ce que disait Jean-Pierre, la question de Jean-Pierre, c'est que ce que je trouvais fascinant, et tu as raison, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre, même à l'imaginer, etc., et à l'écrire, mais le point aussi qui me touchait, c'est que vous savez, euh, l'art, ah c'est 40 secondes, vraiment 40 secondes. Il bah, faut dire au revoir aux internautes. Parce que Alors, il faut, faut lire tous, le euh, livre. Voilà. <laughs> bah, non, non, il faut, faut les saluer. Non, et voilà, puis, clair, euh, je pense y a des, la dimen on peut relire ce que c'est que l'art aussi. Euh, la dimension d'Aristote de l'art, on peut la relire différemment et euh, la recolorer avec du cinéma intérieur. Mais je n'en dirai pas plus pour dire euh, merci à tous ceux qui étaient présents et merci à tous ceux qui étaient attentifs par deux avales des écrans, c'est ça Merci bon. à tous. Le cinéma intérieur. Et puis la semaine de la mémoire, et vous, vous retrouverez la, la conférence de Lionel Nakash dès demain ou après-demain sur le site de l'Observatoire B2V des mémoires. Et puis surtout, venez assister aux autres conférences elles sont toutes passionnantes. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci.